Bonjour, bienvenue si vous nous rejoignez. C'est le cas au fur et à mesure des inscrits qui se présentent à ce webinaire. Bienvenue à ce webinaire captage prioritaire organisé par l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée Corse. Nous allons nous retrouver pendant 2 heures et demie afin de faire le point de la protection des captages d'eau potable avec des situations qui vont être décrites. On aura l'occasion cet après-midi d'avoir un grand nombre de témoignages, des retours d'expérience de personnes qui ont des politiques de protection des zones de captage d'eau potable dans les régions qui nous concernent. On va faire un sondage d'ailleurs d'ici quelques instants. Et puis, ce rendez-vous webinaire organisé par l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, c'est aussi l'occasion de faire un point sur les politiques à l'œuvre, sur le 11e programme également des agences en règle générale, mais décliné au sein du bassin Rhône-Méditerranée-Corse. Et nous allons pouvoir entrer un peu dans le détail des points qui concernent notamment la protection des captages avec des experts de la question et des intervenants, experts également de l'Agence de l'eau Rhin-Meuse. Alors, on va commencer avec moi. Je tiens à signaler, il y a Hakim Barek qui est présent à l'occasion de ce webinaire et qui va pouvoir participer, vous faire participer durant cet après-midi grâce à un jeu de questions-réponses ou à travers des quiz. N'hésitez pas à demander des interventions. Il y a plusieurs façons de le faire. Il y a un chat où on peut contribuer. C'est bien ça, Hakim Barek? Tout à fait, je Et... confirme. Alors, je vois que beaucoup d'entre vous ont déjà pris connaissance de l'outil de chat. Le principe est simple, vous posez vos questions et je les jette à Valérie qui les redistribuera à nos invités. Et je serai également chargé de vous poser quelques questions de quiz pour faire plus ample connaissance, par exemple. Voilà, alors pour que tout se passe bien, on va avoir, alors je ne sais pas si on voit ici, je vais arrêter ce partage, pour que tout se passe bien, on va faire en sorte que techniquement, il y ait le moins de soucis possible. C'est un des enjeux également des webinaires, des rencontres de ce type. Donc il y a quelques consignes techniques qui nous aideront à pouvoir travailler ensemble tranquillement. Alors, est-ce que c'est ici? Voilà, alors là on est sur le programme. Je cherche le document avec les aspects techniques. Globalement, on va faire en sorte de déconnecter le VPN, qui est donc un système de sécurité qui permet normalement de sécuriser les connexions, de les rendre difficiles à identifier. Mais là, dans le cadre de notre rendez-vous, ça va poser un petit souci. Et puis alors, si je manipule, parce que moi, travailler sur la technique, je crois qu'on était... Ici, voilà, je vais partager l'écran avec ce document. Est-ce qu'on voit oui, je crois que c'est ici, hein. Est-ce qu'on voit le programme Hakim ou On pas? voit très bien, oui. Voilà. Par contre, on ne voit pas les consignes de sécurité que j'aurais voulu afficher. Donc, ça, c'est la manipulation. Je vais essayer de retrouver une autre manière de le Si, faire. si, elle s'affiche. Elle s'affiche, ouais, Les d'accord. consignes, tout à fait. D'accord, les consignes se sont affichées. Alors, est-ce qu'on les voit? Tout à fait. Voilà, ok, très bien. Alors moi j'ai trop d'écrans allumés, vous voyez, ça c'est un petit souci. Je vais essayer de ne pas me déconnecter, ce sera une bonne chose. Voilà, donc les consignes qui s'affichent. Donc utilisez de préférence les navigateurs Google Chrome, Safari, Firefox, enfin vous voyez tout ça indiqué à votre écran. Coupez donc votre VPN. Voilà, pour pouvoir être en plein écran, c'est la touche F11. Vérifiez que le son donc, n'est pas en position muette, surtout quand vous interviendrez. Voilà. Si le reste du temps vous n'intervenez pas, évidemment, c'est le contraire. Il vaut mieux se mettre en position muette pour éviter les parasitages audio. Et puis ce chat dont je parlais pour poser vos questions. Alors, on va commencer par un petit quiz, voir qui est connecté déjà. On a 250 inscrits. Pour l'instant, on est à plus de 100 connexions. Les personnes se connectent au fur et à mesure. On est à combien exactement de connexions, Hakim? On est exactement à 168 connexions pour l'instant. Voilà, et on a 250 inscrits qui vont nous rejoindre au cours de l'après-midi. Alors, d'où venez, enfin, quel est votre horizon d'origine? Quel est votre point de vue sur les captages? Et c'est souvent un peu dépendant de votre métier de référence. On va faire le point avec un quiz. Donc, Hakim, c'est bien ça? Exactement, tout à fait. Il est question de faire un peu plus ample connaissance. Et je vais vous demander tout simplement. Je vais vous poser une petite question qui est de vous définir en fait. Vous êtes donc collectivité, technicien, technicienne de collectivité, agriculteur, agricultrice, responsable agricole, service de l'État, bureau d'études, association, presse.
ou autre. Vous avez plusieurs secondes pour répondre. Et les résultats s'afficheront normalement en haut du chat de manière automatique. On va connaître la composition de notre assistance. Alors, les résultats vont bientôt s'afficher. Alors, en pourcentage, je crois que nous sommes une majorité de services de l'État. D'accord? 34% services de l'État, 21%, 22% de techniciens de collectivité. Nous avons également des élus, d'accord, parmi nous, 13%. Et de la presse et des associations. Voilà. Il y a finalement, pour l'instant, aucun bureau d'études représenté. Mais donc, on a une majorité de, on a une majorité de, comment dire, de services de l'État. Parfait, merci Hakim pour ce point. Deuxième question, de quelle région êtes-vous, puisqu'il y a la possibilité de participer à ce webinaire en étant originaire d'Occitanie, de PACA ou de la région Haut-Rhin, Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, si vous voulez bien participer également à ce quiz pour nous dire quelles sont vos régions d'origine, nous permettra d'y voir plus clair et de voir qui participe à ce rendez-vous. Alors. Et ensuite, nous démarrerons cet après-midi. On laisse toujours un petit peu de temps, quelques minutes. Alors, en dehors des aspects techniques, pas toujours faciles à maîtriser, on laisse quelques minutes pour que tout le monde puisse nous rejoindre, puisqu'on était sur un démarrage à 14h et que, avec ces 250 inscrits, autant parler au plus grand nombre. Tout à fait. Merci d'ailleurs pour les personnes qui étaient ponctuelles dès 14h, mais toujours quelques Est-ce petites minutes. que le quiz sur... Ah, la provenance est affichée, ça y est, il s'affiche. Faut un petit peu de temps, bien sûr, pour avoir les réponses, puisqu'on a déjà donc plus de 250 participants. Donc forcément, le temps de contribuer. On est actuellement 177. 77, très bien. On n'est pas loin du... Alors, ce qu'il faut noter d'ailleurs, c'est que par rapport au rendez-vous en présentiel qu'on aurait quand même préféré, ne nous le cachons pas, on a finalement plus de participants rendus possibles par ce webinaire à distance, puisque les salles qui étaient prévues et les jauges envisagées pour les rendez-vous en présentiel début novembre comportaient moins de participants. Donc voilà, on va avoir beaucoup plus de participants grâce à cette réunion à distance. Par contre, on est un peu plus contraint quand même par le temps. Et puis c'est vrai qu'on ne se voit pas, c'est quand même moins sympathique. C'est un peu plus acrobatique aussi sur le plan technique. Alors Hakim, qu'est-ce que ça donne côté participants Alors, près de la moitié de nos participants sont originaires d'Auvergne-Rhône-Alpes, suivis de près par l'Occitanie, 32%, et 20% de nos participants sont situés en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc, on n'a pas Merci une beaucoup pour ces majorité de Rhône-Alpes. éléments. Merci. 14h08, nous allons entrer dans le vif du sujet maintenant avec les stratégies à l'œuvre au sein de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée Corse. Quand on se tourne vers l'Agence de l'eau, c'est souvent d'ailleurs pour avoir des aides, mais derrière ces aides, derrière ces attributions d'aide, évidemment, il y a des stratégies qui sont à l'œuvre. On va en parler plus spécifiquement cet après-midi autour de la question des captages, mais plus largement, Laurent Roy, d'ailleurs, merci d'avoir accepté de participer à cet après-midi. Donc, vous êtes directeur général de l'Agence de l'eau. Qu'est-ce qu'on peut dire des évolutions, des prises en compte, des enjeux de la qualité de l'eau au travers des financements de l'Agence de l'eau et plus globalement de la stratégie de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse. Bonjour à toutes et à tous et merci d'abord à la fois, bien sûr, tout particulièrement aux intervenants d'avoir bien voulu se mobiliser malgré ce format
particulier et inhabituel. En effet, on aurait bien aimé pouvoir être en présentiel, ce n'est pas possible. Mais malgré tout, ce format de webinaire va nous permettre, je l'espère, d'avoir des échanges approfondis. Merci à vous tous qui vous êtes connectés pour y assister, pour y participer. Sur une thématique qui, effectivement, est essentielle pour l'Agence de l'eau, et pas seulement, d'une manière plus large, puisque cette question des captages, elle est au croisement entre deux grandes politiques publiques. La politique de préservation de l'environnement, et plus spécifiquement donc de préservation de la qualité de l'eau, de la ressource en eau, telle que définie notamment par la directive 4 sur l'eau, qui demande, je le rappelle, à tous les États membres de l'Union européenne d'aller vers le bon état des eaux. Ça inclut notamment les eaux souterraines, mais aussi la politique de protection sanitaire, de protection de la santé, puisque les captages y sont utilisés pour l'alimentation en eau potable de la population. Donc évidemment, ces aspects sanitaires sont extrêmement présents. C'est ce qui s'est formalisé, c'est ce qui s'est focalisé autour de la notion de captage prioritaire. La notion de captage prioritaire, c'est une notion qui est héritée du Grenelle de l'environnement à l'époque. C'est quoi les captages prioritaires? C'est les captages qui sont à la fois importants pour l'alimentation en eau potable des populations, donc on est bien sur cet aspect sanitaire, important pour l'alimentation en eau potable des populations, et vulnérables, sensibles, ou d'ores et déjà dégradés par des problèmes de pollution d'origine agricole, nitrate, mais souvent aussi dans le bassin, le plus souvent dans le bassin, produits phytosanitaires. Et donc, une nécessité d'agir pour réussir à garantir une alimentation en eau potable des populations par de l'eau de bonne qualité et pour reconquérir la ressource, le bon état des masses d'eau, tel que demandé par la directive 4 sur l'eau. Les SDAGE successifs, schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône-Méditerranée, ont préciser de quoi on parlait, quels étaient les captages prioritaires sur le bassin Rhône-Méditerranée sur lesquels il fallait ainsi focaliser notre action. Le SDAGE actuellement en vigueur, le SDAGE 2016-2021, identifie ainsi 269 captages prioritaires. Pour information, le projet de SDAGE, le projet de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux qui couvrira la période suivante, la période 2022-2027, en identifie un peu plus, il identifie 281. On pourrait y revenir au cours de l'après-midi. Certains captages sortent parce que la qualité est d'ores et déjà reconquise, d'autres captages rentrent parce qu'on voit bien qu'il y a des problèmes qui sont importants pour le potable, donc il est important d'y agir aussi. Donc ce travail d'identification, il a été fait par ces étages successifs. Maintenant, il ne suffit pas d'identifier, il faut agir. Agir, c'est commencer par délimiter les aires d'alimentation du captage, c'est-à-dire toutes les eaux qui vont avoir un impact sur la qualité des eaux du captage. C'est ensuite élaborer dans ces aires d'alimentation un plan d'action, et ensuite c'est mettre en œuvre les actions. Et là, on va dire qu'on est un peu au milieu du guet, et c'est ça qui est important pour l'agence de l'eau, c'est de sortir du guet, donc c'est d'arriver jusqu'à l'action concrète, il y a une action aussi efficace que possible. On est un peu au milieu du guet, parce que autant les aires d'alimentation sont plutôt bien définies, il en reste quand même, hein, sur les 269 captages prioritaires du SDAGE actuel que j'évoquais, il y en a encore 36 sur lesquels les aires d'alimentation ne sont pas encore précisément définies. Ça fait quand même plus de 10%, donc il faut terminer ce travail-là. Si on n'a pas l'aire d'alimentation définie, on ne risque pas d'agir, parce qu'on ne sait pas de quoi on parle. Puis surtout ensuite, il y a l'élaboration du plan d'action qui est bien avancée, puisque sur trois quarts des captages prioritaires en question, elle est de fait, ce plan d'action a été élaboré. Donc, on a déterminé, les porteurs de projets ont déterminé, les animateurs captage sur les territoires, en lien étroit avec les représentants de la profession agricole, ont déterminé le plan d'action, ce qu'il faut faire. Pour autant, quand je disais qu'on est au milieu du guet, c'est parce que là, on est encore loin d'avoir des résultats complètement satisfaisants sur tous les captages. On a à la fois de bonnes pratiques et de beaux succès, et c'est pour ça qu'on a souhaité faire témoigner des acteurs qui, sur le terrain, font avancer les choses et qui ont des résultats. Donc on a ça, on a des résultats, on a des bonnes pratiques, on a des choses qui avancent sur les territoires, mais on a aussi encore, dans de trop nombreux captages, dans de trop nombreuses nappes souterraines, des pollutions qui stagnent, qui ne progressent pas, et des pratiques qui n'évoluent pas suffisamment vite. Donc il est nécessaire de pouvoir concentrer l'action sur les leviers les plus efficaces, les actions les plus efficaces, celles qui peuvent nous permettre d'espérer d'avoir les résultats les plus pertinents et les plus rapides possibles. Et c'est ce qu'on va essayer de vous présenter aujourd'hui, comment focaliser notre stratégie d'action pour être la plus efficace possible, c'est la notion de stratégie d'action différenciée, comment l'Agence de l'eau, financièrement, va pouvoir aider à la mise en place de ces actions,
d'une manière générale dans le contexte de la crise sanitaire que nous traversons, et comment on peut s'appuyer sur les expériences positives de tous ceux qui sont d'ores et déjà mobilisés sur les territoires, qui font avancer les choses, donc tous nos intervenants qui vont témoigner de leur pratique et la partager avec vous. Merci donc pour votre participation. Bon après-midi à tous. Je reste de toute façon avec vous pour, si nécessaire, participer aux échanges et surtout pour ensuite en tirer toutes les leçons d'échanges que je souhaite le plus fructueux possible. Merci. Merci beaucoup, Laurent Roy. Alors, le programme à suivre, c'est un programme qui va nous permettre de voir quelles sont donc les stratégies d'action différenciées. Et puis ensuite, on ira un peu plus tard sur la question des aides de l'Agence de l'eau dans le cadre de son 11e programme d'intervention. On touchera un petit mot également sur un plan qui s'appelle le plan Rebond, qui offre un petit peu plus de souplesse également dans l'accompagnement des actions en faveur de la qualité de l'eau. Voilà pour le programme de l'après-midi. Vous le voyez, il y aura ensuite une table ronde pendant quasiment une heure et quart, et puis la clôture de ce webinaire. Voilà pour le programme. Alors, on va se pencher effectivement avec Fabien Abad, chef de service pollution et service public de l'eau et assainissement à l'Agence de l'eau, sur la stratégie d'action différenciée. Ça, c'est un terme qu'il faut pouvoir s'approprier. Fabien Abad, c'est un petit peu un nouveau venu dans la réflexion autour des captages, notamment. Qu'est-ce qu'on appelle action différenciée? Bonjour à toutes. Je vais mettre mon petit chronomètre parce que comme je suis un peu bavard et on m'a dit que j'avais 15 minutes, pas plus. Voilà, pour bien cadrer mon intervention. Donc, Laurent Roy l'a signalé. Ce qui était important pour nous, c'est concentrer l'action là où c'était le plus efficace. Effectivement, on a eu historiquement une vraie dynamique dans cette politique-là qui nous a permis de dégager des axes forts, permis de dégager des beaux succès, comme disait Laurent Roy. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Oui. Oui, c'est bon. Donc, et là, maintenant, je vais vous retranscrire sur quelques minutes toute cette politique qui a été construite sur les trois dernières années. On est bien là sur de la renforcement de l'efficacité des actions. On n'est plus sur du lancement de la politique en 2009 où il fallait délimiter, il fallait y aller. Là, maintenant, la dynamique est prise. Il y a une vraie dynamique au sein des territoires et on est bien sur maintenant comment on essaye de progresser dans cette politique-là. Je vais vous passer à... avancer. Voilà. Donc, ce que disait Laurent Roy, donc on a une vraie dynamique, donc une politique qui date des années 2009 avec le précédent SDAGE où on était au départ à 210 captages prioritaires sur le bassin RMC. Le SDAGE actuel en a fait entrer 59 pour arriver à 269. Donc là, vous voyez les chiffres issus de SOG. Donc SOG, c'est l'outil, on va dire, utilisé par les services de l'État pour comptabiliser la délimitation des aires de captage, les diagnostics sur ces territoires-là et le plan d'action validé. On voit bien qu'il y a une progression notable. Nous, à côté, au niveau de l'Agence de l'eau, on a un petit décompte supplémentaire parce que, effectivement, des fois, SOG n'est pas mis à jour au jour ou à la semaine près. On serait plus, effectivement, comme disait Laurent Roy, à 90% d'aires d'alimentation et 75-76% de captage. On voit bien qu'on a une vraie dynamique de fond de l'ensemble des territoires sur la prise en compte de cette politique-là depuis maintenant 10 années. Donc, c'est ce qui va déboucher sur un suivi régulier de la qualité de l'eau. Donc, c'est une campagne, je dirais, que régulièrement, soit on récupère des analyses venues des collectivités, soit l'Agence de l'eau bancarise les données sur certains captages. Et en fait, on s'est rendu compte que dès le début, si vous voyez les chiffres en haut du graphe sur la gauche, il y a des zones en gris et en grisé, c'est-à-dire c'est une absence de données. Donc, on se rend compte qu'effectivement, sur cette politique-là, on n'est pas tout à fait opérationnel sur les données. Donc, en 2016, l'Agence de l'eau a réintégré l'ensemble des analyses sur ces captages-là pour avoir un historique et pour pouvoir suivre des tendances. Donc, on voit bien un accroissement de la qualité de l'eau qui est enclenchée depuis le début de la campagne. Par contre, sur les dernières analyses, on commence à voir apparaître des choses. Donc, vous voyez la zone bleue qui est en train de se contracter. La zone bleue, c'est des captages sur lesquels il n'y a pas de contamination. Doucement, elle est en train de diminuer. Par contre, il y a la zone orange qui est un peu au-dessus à 25,6% qui est en train d'augmenter ses dépassements sur certains des pesticides. Et en fait, on se rend compte, on voit apparaître des nouvelles molécules qui ont été utilisées récemment, si je peux en citer une, c'est la S-métallochlore, qui commence doucement à apparaître. On voit aussi que ces métabolites de la
du Metalocalypse qui apparaît, donc qui viennent un petit peu brouiller, je dirais, la dynamique, la bonne dynamique qu'on a enregistrée sur les territoires. Donc, à partir de là, on voit bien qu'il y a une dynamique qui est enclenchée, il y a des plans d'action sur lesquels on a des retours réguliers pour nous dire, bah, effectivement, moi, ça fait de nombreuses années que j'ai mis en place mon plan d'action, mais par contre, je ne vois rien frémir au niveau de la qualité de l'eau. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis sur les bonnes actions? On voit que tout doucement, les indicateurs de qualité sont en train de se tasser. Donc, il y a des questions qui subsistent sur une politique donc, qui a plus de 10 ans. Il était nécessaire de réfléchir, donc des réflexions qui ont commencé à initier en 2017 sur quel virage on pourrait prendre pour s'assurer que les actions qu'on va financer ou les actions que le territoire va mettre en œuvre soient les meilleures possibles et donc efficaces sur lesquelles on voit rapidement de la qualité de l'eau. En fait, donc, je vous disais, il y a des questions qui subsistent. C'est s'assurer de l'efficacité des plans d'action, hein, plans d'action financés ou non par l'agence de l'eau, mais si effectivement ils sont financés par l'agence de l'eau, donc c'est de l'argent public sur lequel on doit rendre des comptes. Régulièrement, nous aussi, on est audité par la Cour des comptes. Il faut qu'on puisse partager avec l'ensemble du territoire sur les acteurs concernés sur ce qui se passe sur leur captage. Est-ce qu'on a de la connaissance supplémentaire qui nous permet d'expliquer les choses? Pourquoi sur certains captages, on a le même plan d'action sur le captage d'à côté, alors que le captage d'à côté, la qualité de l'eau est en train de revenir à des seuils corrects. Et ensuite, ce qu'on souhaite aussi, c'est vraiment mobiliser l'ensemble des acteurs, ce qui est une étape charnière de la politique de captage. Pour nous, l'étape charnière, on se rend compte qu'il y a beaucoup de plans d'action qui sont en révision et qui vont arriver en révision. Donc, c'est la bonne fenêtre de tir pour se dire, voilà, si on est en révision, s'il y a des choses à faire, c'est le moment de le faire. Donc, à partir de là, on a essayé de construire, de réfléchir avec les services de l'État sur comment on était sûr qu'en fait, que toutes les actions qu'on met en œuvre, elles sont bien au bon endroit et au bon moment. La vraie question, les aires d'alimentation de captage sont vastes. On sait qu'il y a certaines surfaces qui sont plus réactives que d'autres pour les captages prioritaires. Est-ce qu'on est sûr, avec les actions qu'on mobilise, c'est bien des actions qui nous permettent de reconquérir cette qualité, qui vont être efficaces et qui surtout seront pérennes dans le temps? Il ne suffit pas de mettre des actions en place. On commence à voir frémir la qualité de l'eau et tout doucement changer ses actions pour que de nouveau ça se dégrade. On a bien in fine toujours en tête le meilleur rapport coût-bénéfice. Pourquoi? Parce qu'on est bien sûr de l'argent public et il faut que cet argent public puisse être justement bien utilisé dans le temps. Tout ça, ça a fédéré, ça a été l'élaboration, le fondement d'une stratégie d'action différenciée. Comme l'expliquait Laurent Roy tout à l'heure, il faut être sûr que les actions qu'on va mettre, ce sera les bonnes actions et ce sera au bon endroit. À partir de là, on a essayé de regarder ce qu'on avait en termes de données. Je vous ai déjà dit, il y a une partie des données qui nous manquait sur la qualité de l'eau, donc c'est compliqué de savoir la tendance s'il nous manquait des données. Après, il y avait une chose qui était importante qui nous manquait, c'était la datation de l'eau, l'eau du captage. Est-ce que cette eau-là, in fine, elle met plus de 30, 40, 50 ans à se renouveler? Donc on comprend bien qu'à échelle humaine, malgré tous les efforts du territoire, pas grand-chose va se voir, donc ça peut démoraliser les gens. Ou au contraire, on a de l'eau sur certains captages, qui se renouvelle très, très, très vite et qu'on ne voit pas les résultats. Donc, ça voudrait dire qu'on n'a pas mis les bonnes actions. Donc, voilà. La phase de la stratégie d'action différenciée a bien été construite en trois phases. Une première phase qui est plutôt une phase, je dirais, sur les caractéristiques techniques de ces captages-là, la grandeur physique de ces captages-là, les données qu'on avait en place avec la bancarisation supplémentaire et notamment, je reviendrai tout à l'heure, avec la mise en œuvre de la datation et de l'âge moyen de ces captages qui sera un facteur expliquant sur certains endroits. À partir de là, on a pu en créer des typologies. Je reviendrai là pour vous montrer les trois phases. Des typologies de captage. À partir de là, on s'est dit, ben voilà, en fonction de chaque typologie, quelles seraient les meilleures actions qui permettraient de reconquérir la qualité de l'eau. C'est un travail concerté avec tous les services de l'État, qui a été lieu en plusieurs, sur deux années, sur plusieurs réunions de travail, pour partager la connaissance avec les DREAL, avec les DDT, les ARS, les DRAF, sur la connaissance de chaque captage, sur la dynamique, sur des choses qui pouvaient être expliquées, qui sortaient de la typologie. Donc, gros travail, je dirais, en back-office de services de l'État. Et maintenant, on passe en phase 3, c'est-à-dire phase avec les acteurs de terrain, où on vient vous restituer la connaissance qu'on a pu bancariser, classification de la typologie du captage et dans quel groupe de captage il pourrait se situer. Donc là, je vais vous balayer les trois phases assez rapidement, parce qu'il reste
7 minutes. Donc la typologie, c'est bien sur les grandeurs caractéristiques des captages, donc sur la qualité d'eau brute. Comme il nous manquait, donc on a pu le bancariser, donc on a bien des données sur les 269 captages. La tendance, donc on a avec un outil HYPE qui permet de calculer les tendances. Est-ce que c'est une tendance à la baisse? Est-ce que c'est une tendance à la hausse? Est-ce qu'il n'y a pas de tendance? Qui est aussi un enseignement. Donc c'est toujours intéressant de savoir que même si on ne voit pas des choses au niveau de la qualité des eaux, la tendance est en train de s'améliorer. Ou au contraire, la tendance est en train d'augmenter. C'est-à-dire qu'on a toujours plus de nitrates ou pesticides qui arrivent au niveau du captage. Et le gros morceau sur lequel je vais vous faire un petit zoom en deux slides sur le temps de renouvellement de l'eau qui est important pour comprendre des choses, qui était, à mon sens, dans l'équation, dans cette grande équation, l'inconnu. Et après, effectivement, il y avait réactivité des eaux puisque chaque hydrosystème a sa propre réactivité. Ça ne veut pas dire que le temps moyen peut être long et qu'on ne voit pas les premiers résultats, parce qu'effectivement, vous pouvez avoir des chemins préférentiels qui amènent déjà des questions positives sur la qualité. Donc, sur petit zoom sur la datation, parce que la datation, c'est un sujet un peu compliqué, qui est facile à aborder et surtout qui n'est pas facile à trouver. La datation, c'est ni plus ni moins de retrouver l'âge moyen de l'ensemble de l'eau qui est dans l'alimentation du captage. Donc c'est en fonction des différents chemins préférentiels combien de temps chaque goutte d'eau va prendre pour pouvoir être complètement renouvelée. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On peut avoir plus de 30 ou 40 ans pour que l'ensemble de l'hydrosphère soit renouvelée. Et on peut avoir aussi des écoulements préférentiels type la T1 qui permettra déjà de voir peut-être une amélioration. Pour calculer cette datation, ça a été un petit peu compliqué puisqu'il n'y a que 8 laboratoires au niveau mondial qui est capable de le faire et on en a un en France. Il y a eu un marché public puisque l'Agence de l'eau a porté un marché pour avoir la datation sur ces 269 captages qui a coûté un peu moins de 500 000 euros. Et en fait, comment mesurer cet âge moyen par intégration? En fait, on s'est basé simplement sur la pollution de l'air. Donc, on a pu trouver la pollution de l'eau à partir de la pollution de l'air. La pollution de l'air, c'est essentiellement sur deux gaz polluants qui ont été émis dans les années 50 jusqu'à les années 2010, qui sont le chlorofluorocarbone, le CFC ou fréon, souvent on a entendu parler du fréon, et l'hexafluorure de soufre. Et en fait, on connaît parfaitement, on a des ABAC, on connaît parfaitement dans l'air les concentrations en fonction des années d'émission. À partir de là, on va prélever de l'eau sur ces captages prioritaires et on part du principe qu'une fois que l'eau... une fois que ces polluants ont été captés dans une goutte d'eau qui sont tombés dans le sol, ils ont été piégés dans la nappe et ils deviennent stables dans le temps. Donc là, on récupère les effluents, de l'eau. Il ne faut surtout pas qu'elle soit remise à l'atmosphère parce que sinon, on vient mélanger. Et à partir de là, le laboratoire est capable, à partir des ABAC, capable à partir de la concentration des gaz qu'il va trouver, il va revenir pour chaque gaz sur l'âge de lequel il a été piégé. Va donner par intégration successive l'âge moyen de la nappe sur les captages. Donc, ce qu'on a fait sur les 260 captages du bassin, ce qui nous a permis de lever une inconnue sur l'âge moyen sur les captages prioritaires du bassin. Je m'arrête parce que je crois qu'il y a un petit quiz à cet endroit-là. C'est un peu comme une enquête. C'est vrai qu'on cherche à savoir quel est l'âge moyen de ces captages. Donc, on se dit qu'on est peut-être passé par un sondage pour avoir une opinion des participants sur quel est l'âge moyen des eaux de captage prioritaires sur le bassin Rhône-Méditerranée. Voilà, je dis bien Rhône-Méditerranée. C'est là que je prends la main. En effet, on va tester nos connaissances sur l'âge moyen des captages prioritaires. Selon vous, quel est l'âge moyen des eaux des captages prioritaires sur le bassin Rhône-Méditerranée-Corse? Est-ce qu'il est inférieur ou égal à 15 ans? Première réponse. Deuxième réponse, de 15 à 30 ans. Troisième réponse, supérieure à 30 ans. Donc, inférieur ou égal à 15 ans, de 15 à 30 ans. Et la troisième solution, ce serait donc supérieure à 30 ans. Et bien sûr, c'est un âge moyen, puisqu'on sait que les situations peuvent être assez variées, elles sont même très variées d'un captage à l'autre. Ça peut nous donner, cette réponse, une idée un peu des dynamiques à l'œuvre et des enjeux de longue durée aussi qui se cachent derrière ces datations.
Alors, je crois qu'on a un petit problème d'affichage on a un petit problème d'affichage Des résultats? pas des résultats du quiz qui a l'air un peu têtu. D'accord. Cela dit, on peut laisser le temps aux participants de réfléchir ou de se positionner sur ces trois valeurs et on y revient tout à l'heure, si vous voulez, Tout Hakim. à fait. On fait comme ça. Tout Alors, c'est embêtant parce que quand je dis de laisser le temps de réfléchir, à fait. je Oui, crois parce que moi, on va avoir la j'ai réponse donné qu'on la a. réponse. Vous avez donné la réponse, vous allez donc nous donner la réponse avant qu'on ait le temps de se positionner. Alors, est-ce que ça s'est affiché, Hakim? Toujours pas, non. Toujours pas? Bon, Voilà un je problème pense qu'on va dire d'affichage. chacun s'est positionné. En tout cas, ça pose la question effectivement de Ouais. l'âge Donc, moyen. Et alors, vous avez la réponse, parce qu'effectivement, vous avez fait cette campagne il y a 2-3 ans maintenant, Fabien Abad. Ça oui. donnait quoi alors? Donc, roulement de tambour. Donc, sur l'ensemble du bassin, donc là, je vais vous donner l'âge moyen des captages au niveau du bassin. Et après, j'ai le focus sur chaque région, comme ça, chacun pourra regarder. Donc, on se retrouve avec des captages avec une eau jeune, donc moins de 15 ans, ce qu'on considère jeune, une eau moyenne de 15 à 30 ans, donc le renouvellement complet prendrait 30 ans, et des certains captages avec une eau supérieure à 30 ans. On voit bien que des actions, avant que les résultats de ces actions apparaissent, peut prendre un certain temps. Donc, il ne faut pas baisser les bras, il faut juste s'assurer qu'un jour ou l'autre, ou la génération qui sera après nous, elle verra les effets positifs des actions qu'on a entreprises. Donc là, je vous ai mis le focus parce qu'il est complètement différent d'une région à l'autre, Occitanie, Aura et PACA. Donc, on voit bien que Occitanie, c'est assez partagé. Aura, on a beaucoup plus de captage temps moyen et PACA, on a pas mal de temps, 30 comme Occitanie. Voilà, c'est vraiment lié aux caractéristiques. Donc là, vous n'avez pas le nord du bassin, puisque le nord du bassin a été fait lors d'une journée précédente, donc sur lequel il y avait encore une physionomie aussi différente. Donc voilà. Si je passe, donc on comprend bien que maintenant, ces captages-là ont un mode de fonctionnement qui est différent, ont une tendance à l'amélioration ou pas, ont des caractéristiques différentes. Or, nous, dans la plupart de nos captages, la plupart des plans d'action qu'on a constatés sur le bassin, on a toujours plus ou moins le même type d'action qui émerge. Donc, on voit bien qu'on ne peut pas avoir les mêmes types d'actions sur l'ensemble des captages. Il y a des moments où ça va très bien marcher, ça va coller. Il y a des moments où ça va être moins efficace. Donc, à partir de là, une fois qu'on a bancarisé toutes ces données, donc c'est un gros travail de bancarisation, on les a mis dans un arbre de décision. Décision avec 7 ou 8 colonnes d'intervention, avec la qualité de l'eau, avec la tendance, avec la datation, avec des phénomènes de réactivité ou non en fonction des masses d'eau. Et on a pu dégager trois groupes de captage, des groupes sur lesquels la qualité de l'eau est restaurée, et c'est ça, c'est super, parce que c'est les efforts de tout un chacun qui ont permis d'être en dessous des seuils, donc on a de la qualité d'eau restaurée, c'est bien le principe pour lequel on travaille tous. On a un groupe de dégradés, mais en bonne situation de reconquête, c'est-à-dire que c'est à notre main, certainement c'est des captages avec de l'eau temps moyen ou temps court, avec une tendance à la baisse, et par contre, au bout de l'échelle, on se retrouve sur des captages dégradés et en situation de reconquête difficile. Donc, soit on a des captages de temps long, soit on a des captages de temps moyen, mais avec une hausse des données. Donc, c'est-à-dire qu'on n'est encore pas devant le pic de pollution. Donc, ça veut dire que ça va être compliqué pour y arriver. Donc, à partir de là, voilà, on a un classement lié à la typologie, ces caractéristiques physiques. À partir de là, donc, ce que je vous disais tout à l'heure et ce que disait Laurent Roy, c'est qu'on comprend bien qu'on ne peut pas agir de la même façon en fonction de ces trois classes de captages. On a essayé de réfléchir à ce que pourrait être pour chaque captage la meilleure orientation de gestion, donc les meilleures opérations sur lesquelles on pourrait accompagner. Avec bien sûr toujours des adaptations. Si vous êtes restauré, et par contre on considère que les pratiques restaurées, donc vous êtes en haut, en bleu, vous auriez été en action A, action restaurée, mais si les pratiques en place ne sont pas tout à fait pérennes, eh ben, on considère qu'effectivement, certes, vous êtes restauré, mais si ça continue comme ça peut encore se dégrader. Donc, vous revenez dans le groupe B de captage, large panel d'action. Pareil, si vous êtes dégradé, situation de reconquête difficile, mais par contre, vous avez une tendance à la baisse, mais par contre, gestion de un même opérateur sur plusieurs captages qui peut être classé différemment, ben là, on peut vous faire remonter en groupe B. Donc, voilà. Il y a eu, sur l'ensemble de ces 260 captages, un passage en revue avec l'ensemble des services de l'État pour, en âme et conscience et sur des données, sur la connaissance du territoire, pour essayer de classer 260 captages sur des orientations de gestion, c'est-à-dire des actions, nous, il nous semble, les plus pertinentes en fonction du groupe de captage. Donc, si je rentre un petit peu en détail, juste pour imager ça, si je vous dis action du temps long, on comprend bien que les captages sur lesquels il y a plus de 30 ou 40 ans pour renouveler l'eau, que si on fait régulièrement que des MAE,
des campagnes de 5 ans, ça peut prendre du temps et on n'est pas sûr qu'on y arrive. Donc, sur du temps long, on s'est dit, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt être sur des démarches systémiques, changer d'approche, c'est-à-dire passer sur du bio, pardon, passer sur des filières à bas niveau d'entrant, passer sur des stratégies foncières, passer sur des stratégies voilà, qui sont plus ancrées dans le temps et sur lesquelles on n'est pas sur des actions temps court. Donc, les actions du groupe A, qui sont qualité de l'eau restaurée dans des situations pérennes, ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste suivre régulièrement la qualité de l'eau pour s'assurer qu'effectivement, elle est toujours conforme. Le groupe B, qui est large panel d'action, je dirais, c'est. Ah, voilà, j'ai dépassé mes 15 minutes. Le groupe B, qui est large panel d'action, donc, c'est ni plus ni moins toutes les actions qu'on a l'habitude de faire sur l'ensemble de nos territoires. Donc, voilà, la philosophie, c'est bien réfléchir à quel type d'action et quel type d'action serait pertinent en fonction de la caractéristique de ces captages. Donc, sur le bassin, je vous ai remis le détail, donc sur nos 269 captages, en pourcentage. Donc, on a 61 captages qui sont, pardon, du groupe A, 42 captages qui sont du groupe C, et grosse partie des captages sont du groupe B. Donc, ce que disait Laurent Roy, sur comme on est en train de travailler aussi sur la prochaine liste d'usages, hein, cette stratégie d'action différenciée avec cette bancarisation de données nous a permis de nous dire que sur 21 captages, la qualité de l'eau a été restaurée et surtout les pratiques qui sont sur ces territoires-là vont dans le bon sens et sont ancrées dans la durabilité. Donc on s'est dit que ces captages-là, typiquement, ne devraient pas se retrouver sur le prochain SDAGE puisqu'ils sont plus dégradés et au contraire, il y a des pratiques vertueuses sur l'ensemble du territoire. A contrario, il y en a d'autres qui sont arrivés, puisque là on était à 269, donc on enlève 21, on en rajoute 40, on arrive à 280. Donc on voit bien qu'il y a d'autres captages qui apparaissent. Donc là après, vous avez le décompte sur chaque région. Hein. Citanie, je vous laisse lire. À partir de là, donc, je vous rappelle, on a passé la phase 1 qui était les caractéristiques physiques, la phase 2 qui était le regroupement par type de captage et donc par action éligible sur ces captages-là. Et on arrive sur la phase 3 qui est maintenant une restitution de tout ce travail-là auprès de vous, auprès des copiles des captages sur lesquels il faut partager cette démarche, partager les connaissances qui ont été bancarisées et de fait la typologie du captage et le groupe de gestion du captage. Il faudra certainement renforcer l'état des lieux s'il y a besoin, si effectivement on se rend compte qu'il y a des lacunes à certains endroits, peut-être aussi réorienter l'opérationnel au besoin en fonction du classement du captage, hein, puisque vous avez vu qu'il y avait sur chaque groupe de captage, il y avait des opérations qui nous semblaient plus pertinentes que d'autres. Et après, comme dans toute politique publique, celle qui est déjà faite actuellement, hein, mise en place d'un suivi et d'une évaluation, pardon. En parallèle, je vais assez vite, il y a eu un gros travail d'un guide SDAGE, donc par les services de l'État et de l'Agence de l'eau avec beaucoup de contributeurs sur le bassin pour sortir un guide SDAGE qui s'appelle Renforcer l'efficacité des actions sur les captages prioritaires en eau du bassin, qui sont ni plus ni moins la mise en œuvre de cette stratégie d'action différenciée qui explique tout le cheminement, toutes les étapes pour arriver à cette stratégie-là et la prise en compte sur le terrain, que vous soyez en cours de captage dans la démarche ou toute nouvelle collectivité sur laquelle vous auriez un nouveau captage prioritaire. Ce guide vous permet de mettre en branle, ce que je dirais, pardon, la stratégie et l'opérationnel sur ces captages. Une petite chose que je pourrais rajouter, c'est dans les prochains SDAGE, donc qui sera validé fin 2021, donc on aura 40 ou 42 nouveaux captages qui vont apparaître. L'Agence de l'eau se propose, comme sur la campagne précédente, de financer la datation, ce qui permettra d'embrayer tout de suite sur la connaissance et d'embrayer tout de suite sur la typologie. Par contre, il nous faudra peut-être aussi renforcer l'analytique sur ces. Et c'est prévu, c'est-à-dire pour vous accompagner dans la mise en œuvre de stratégies en termes d'acquisition de connaissances, comme sur les 269 captages, sur les 40 prochains hôtes, l'Agence de l'eau se propose, pareil, sous forme d'un marché, de financer cette bancarisation et cette datation, ce qui permettra de gagner du temps sur le classement de ces captages-là. Voilà. En conclusion, je vais assez vite. Donc, on est bien sur une démarche partenariale. Donc, on a bien vu que, certes, c'est peut-être parti à un moment donné d'un endroit, mais ça fait l'action, l'œuvre de beaucoup de réunions entre les différents services de l'État et maintenant avec les COPI, collectivités, agriculture,
chargé de mission et les services de l'agence de l'eau au service de l'État. On est bien sur une stratégie sur l'ensemble du bassin. Elle est vraiment opérationnelle. Donc, on a essayé de mettre en exergue les meilleures actions qui nous semblaient les plus pertinentes en fonction de ce que vous avez dit, qui en appui du SDAGE, hein, puisque le SDAGE a introduit ses captages prioritaires et la conquête de la qualité de l'eau, et qui est bien en cohérence avec l'ambition nationale captage forte que ce gouvernement a impulsée avec la mise en œuvre des 100% des plans d'action à fin 2020. Donc voilà ce que je pouvais vous en dire dans le temps imparti. Merci beaucoup Fabien Abad pour ce résumé. Donc on voit effectivement tout l'intérêt qu'il y a à prendre en compte les temps de renouvellement sur les captages, qui ne sont pas du tout les mêmes d'un captage à l'autre. On a même vu que les moyennes effectivement d'une région à l'autre ne sont pas les mêmes. Il fallait pouvoir avoir une vision dynamique de ces captages et c'est là où ce travail a tout son intérêt. Alors on va voir maintenant, on va voir d'ici plutôt quelques minutes quelles sont les aides de l'agence, mais avant on a un petit temps d'échange pour voir s'il n'y a pas des questions qui se posent, alors, ou des questions des techniques ou des questions plus stratégiques par rapport à ce travail notamment de datation. Hakim Barek, est-ce qu'il y a des remarques ou des demandes de participation sur le chat de cette rencontre? Alors, pas de questions pour l'instant. Je te laisse ouvrir le bal. Les questions viendront sans doute après. Alors, très bien. Surtout qu'il y a des questions, je pense qu'elles vont venir sur la question des aides, parce que c'est toujours un point important, évidemment, pour les agences de l'eau. Quand on se tourne vers les agences, c'est quand même souvent pour demander un soutien, alors qu'il peut être dans des proportions variables. On va voir qu'il y a des programmes également qui permettent de monter un peu les taux de participation de l'agence de l'eau sur certains programmes qui sont vraiment en plein dans la cible, on va dire, de la stratégie de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse. Donc, Yves Picoche, vous allez avoir un petit peu de temps, mais on va rester dans les clous, hein, parce que je pense que c'est surtout derrière votre intervention on va avoir effectivement des questions. On va prendre un petit peu de temps pour savoir quelles sont les aides de l'Agence de l'eau pour ce 11e programme d'intervention, avec une intervention consacrée principalement donc, au captage d'eau et aux aides aux agriculteurs pour la réduction des intrants de type produits phytosanitaires. Bonjour, et nitrate, effectivement. Bonjour à chacune et chacun. Donc, effectivement, le temps que je partage mon écran. Alors, je vais préciser que vous êtes directeur donc, du département du programme et des interventions pour l'agence de l'eau. Et si vous voulez, le temps que vous cherchiez votre document, j'en profite pour remettre à l'image le programme pour les personnes qui nous auraient rejoints depuis tout à l'heure. Voilà, donc on en est à la partie, on est dans les clous pour l'instant, puisqu'on a eu pour l'instant pas de questions, mais on en aura Valérie, sur cette session, sur les aides de l'agence de l'eau. Voilà. Une question est arrivée qui peut permettre à Yves de retrouver ses papiers. Une question de Julie Blanc du Conseil départemental des Pyrénées-Orientales et qui demande à quelle hauteur les études de datation pour les nouveaux captages seront financées. Réponse rapide. Allô? Oui. En fait, à 100%, comme on avait fait sur la première partie, c'était un marché agence. Hein, on a pris en charge 100% du coût de la datation. C'est un marché public, hein, avec une offre sur lequel on a financé deux campagnes. Il y avait une campagne en basse eau et une campagne en haute eau. Et après, il y avait le prélèvement. Il y avait l'analyse d'un hydrogéologue pardon, sur la réactivité de la masse d'eau. Et il y avait le laboratoire qui nous donnait les résultats. Donc, l'agence de l'eau avait financé sur la première campagne 100% de la datation. Très bien. Pour le marché. Alors, rapidement, une autre question également du SMBVA. Quelle position sur les captages en eau superficielle maintenus en captage prioritaire? Alors, dans la présentation, on a bien 269 captages prioritaires et notre travail, c'est axé sur les 260 parce que les captages en surface, d'eau de surface, ont effectivement une délimitation qui est très vaste et sur lequel on a des problèmes de bancarisation de données et de réactivité. Donc, effectivement, ce modèle ne fonctionne que sur les captages eau souterraine. C'est-à-dire, là, dans notre cas de figure, c'était 260 sur 269. Sur les autres, je dirais, c'est un petit peu adapté. On n'a pas fait de datation. Hein. C'était plutôt compliqué de faire une datation sur le Rhône pour les captages qui sont alimentés, certains captages qui sont alimentés avec le Rhône. Donc,
Oui, effectivement, les limites de l'exercice, c'est sur les captages en eau de surface, où là, on tâtonne et on avance tant bien que mal sur cette approche. Merci pour ces informations, ces éclairages et puis pour vos questions. Il Une suffisait dernière question, si d'écouter. c'est possible. Oui, Kim, sans problème. On a Victoire Lemoyne, vraisemblablement de Côte d'Or, une communauté d'agglos dans le 21, j'imagine, et qui demande s'il n'y a pas de résultat pour Bourgogne-Franche-Comté. Ce que je disais tout à l'heure, on a les résultats sur l'ensemble du bassin, mais aujourd'hui, on avait fait déjà cette journée captage prioritaire dans le nord du bassin fin 2019. Il était prévu de faire 3 journées ou 2 journées sur 2020 sur Aura et après Occitanie-PACA. Il y a eu une petite crise sanitaire qui est passée par là. Donc, les 2 journées physiques, on les a retransformées en un seul webinaire. Mais effectivement, sur la qualité d'eau sur le nord du bassin, pardon, on a exactement les mêmes chiffres. Même données, le même classement. Ça a été présenté aux collectivités en novembre 2019. Très bien, on s'arrête là pour les questions. Il y en aura d'autres après l'intervention d'Yves Picoche. Yves Picoche, donc vous avez 10 minutes pour nous expliquer comment s'articulent les aides de l'agence pour ce 11e programme, avec bien sûr l'angle essentiellement captage, même si on va peut-être élargir un peu le champ au tout départ. Alors, quelles sont les modalités et quels sont les types d'aides de l'agence de l'eau pour cette nouvelle période? Bien, merci. Bonjour à chacune et chacun. Donc, on parle bien des aides, hein, et donc, par différence avec ce que citait Fabien Abad sur l'étude datation qui, elle, est réalisée en maîtrise d'ouvrage agence, donc avec un financement 100% agence. Là, on parle à partir de maintenant, effectivement, des aides, donc des subventions, en particulier de la part de l'agence de l'eau auprès des maîtres d'ouvrage, en particulier collectivités ou associations et agriculteurs ou, le cas échéant, chambre d'agriculture. Alors, je fais défiler donc très rapidement hein, le programme de l'agence globalement sur l'ensemble de ses dimensions. Hein, il porte sur les volets de qualité des eaux, sur les volets également de quantité des eaux, que ce soit sur les eaux superficielles ou souterraines. En sus de la qualité de l'eau et de sa quantité, c'est la question des milieux dans lequel il se trouve et de l'état de ces milieux, avec des volets importants sur la reconquête de la biodiversité et des milieux aquatiques. Et puis un quatrième angle et entrée en matière de solidarité et de gestion durable, notamment en matière de soutien du rattrapage structurel sur les territoires ruraux et dans un objectif de gestion durable des services publics d'eau et d'assainissement. Alors, très rapidement, pour entrer hein, sur les aides plutôt sur le domaine effectivement hein, des pollutions diffuses par les pesticides ou les nitrates, on a plusieurs entrées dont certaines peuvent se recouper. Hein. Tout d'abord, et c'est celle que je développerai juste après, les captages prioritaires dégradés donc, par les pollutions diffuses et destinés à l'eau potable. La question également de la préservation des ressources stratégiques pour l'eau potable, dans une vision plus prospective, que ces ressources soient exploitées aujourd'hui ou demain. Le soutien à la conversion à l'agriculture biologique et la réduction de la pollution des pesticides au titre donc, du plan national Écophyto 2. L'accompagnement de l'expérimentation agricole en matière de parcours à bas niveau d'intrants, et puis l'accompagnement réglementaire de la mise aux normes des exploitations au titre de la directive nitrate. Sur les captages prioritaires, hein, dont l'objectif est bien la restauration durable, ça a été dit dans l'intervention précédente, donc de l'eau de ces captages prioritaires dégradés par les pollutions diffuses. Donc, ces aides sont apportées, ça vient d'être dit, hein, en déclinaison de la mise en œuvre de la stratégie d'action différenciée, sachant que la première partie du programme 2019-2024, donc la première moitié 2019-2021, permet, je dirais, d'être dans une période transitoire d'ajustement et d'évaluation de l'action sur ces captages prioritaires. Le premier point qu'il faut rappeler, ça a été déjà indiqué, évidemment, l'enjeu. C'est bien que la restauration et les démarches soient pérennes. Alors, il y a différents critères possibles de pérennité hein, qui sont indiqués là et dans notre programme. Ça peut être un projet de territoire et une filière à bas niveau d'intrants. Ça peut être bien évidemment le dispositif de validation du plan d'action sur les captages. Et on rappelle également, je
dirais, les orientations hein, d'un guide de l'agence fait en 2015 sur la pérennité. Bien évidemment, en matière de pérennité, un gage important, hein, c'est aussi l'objectif d'intégration progressive des actions de manière pérenne et de manière continue dans les politiques des services publics d'eau et également dans la mise en œuvre des projets de territoire. Enfin, sur les captages prioritaires, de manière générale, dans la mesure où on est vraiment sur une politique prioritaire du programme, les taux d'aide en matière de subvention sont à 70%. Le programme a trois types de taux, du 30%, du 50% et du 70% de manière réduite et de manière ciblée sur le 70%, et les captages prioritaires sont dans cette priorisation sur les actions à 70%. Alors, de manière pratique et plus détaillée, en matière de restauration de captage prioritaire, on va trouver deux types d'aides qui peuvent être apportées par l'agence hein, auprès des bénéficiaires, des porteurs et puis des acteurs au sein des captages. Des actions qui peuvent être qualifiées de non agricoles, et on va trouver là-dedans tout ce qui concerne les actions finalement d'accompagnement, c'est-à-dire d'initiation des études, du diagnostic, mais également des études qui peuvent être réalisées, y compris en cours d'élaboration hein, du captage prioritaire. Donc, communication, sensibilisation, l'ensemble des suivis qualité qui ne sont pas réalisés par l'agence et qui peuvent être faits de manière complémentaire. Et c'est l'animation de la démarche, l'animation générale de la démarche dans le cadre du COPIL, du captage. C'est l'animation spécifiquement agricole sur l'aire d'alimentation de captage en matière de suivi, de sensibilisation et d'accompagnement technique des exploitations agricoles. C'est tout ce qui va concerner la maîtrise foncière. La maîtrise foncière, ce n'est pas que l'acquisition foncière, hein, ça peut être également des actions de type obligation réelle environnementale. Enfin, c'est tout ce qui va permettre finalement de maîtriser les usages, et pas forcément directement maîtriser le sol de manière favorable pour la restauration des captages prioritaires. On peut y trouver également l'animation hein, des stratégies foncières. On trouve également la réalisation de travaux qui seraient prescrits par la DUP de ce captage prioritaire, en dehors de la procédure elle-même, et puis des actions spécifiques qui peuvent être identifiées dans le plan d'action, là aussi, sauf assainissement non collectif et des charges que l'agence ne finance pas, mais ça peut concerner hein, des travaux spécifiques de points d'infiltration ou de rebouchage de forages abandonnés qui peuvent poser des difficultés par rapport au captage. Tout ça, c'est financé globalement à 70% dans le cadre de la stratégie d'action différenciée. De manière exceptionnelle, la mise en conformité sanitaire hein, peut être aidée sous forme d'ailleurs d'avance remboursable pour quand on est dans la typologie en particulier hein, du groupe C, hein, c'est-à-dire action de très long terme, à condition qu'effectivement un plan d'action soit bien engagé. Sur les actions agricoles, à proprement parler, hein, donc, on trouve à la fois des mesures surfaciques en matière de mesures agro-environnementales et climatiques, et parmi celles-ci, la conversion à l'agriculture biologique. Des mesures également non surfaciques, hein, c'est le soutien à l'investissement agricole en matière de matériel favorable soit à la substitution, donc alternatif à l'utilisation hein, des pesticides, soit permettant d'en réduire l'usage ou la dérive. C'est également les filières à bas niveau d'intrants, tant en études qu'en accompagnement en amont et puis en matière d'aval sur ces filières. Et puis, je dirais un mot, hein, des actions innovantes en matière de paiement pour services environnementaux. Tout ça est financé sur ces volets-là, hein, en particulier à l'intérieur des PDR, donc des plans de développement ruraux régionaux, à 70%, sauf à 50% sur l'investissement en matériel individuel en matière de pesticides. Donc, je vais passer ici très rapidement parce que c'était qu'un résumé qui sera fourni, hein, je dirais, de l'ensemble des aides, mais sur les captages prioritaires, ça a été indiqué. Et je voulais faire un zoom qui sont des choses qu'on retrouve également sur ce slide, hein, sur deux points particuliers. D'une part, les filières à bas niveau d'intrants,
dont l'objectif est évidemment pour l'agence de soutenir des filières qui sont favorables à la restauration des eaux brutes de ces captages prioritaires, tant en matière de mode de production que de culture peu impactante, donc à bas niveau d'intrants. L'objectif, c'est que ces filières puissent au moins intersecter, elles ne sont pas forcément intégralement à l'intérieur d'une aire d'alimentation de captage ou d'une zone de sauvegarde des ressources stratégiques, mais en tout cas concerner ces zones-là. C'est évidemment des actions qui sont forcément en partenariat avec les grands acteurs économiques que sont la région et la DRAF en matière agricole. Évidemment, l'objectif, c'est bien celui d'un accroissement de surface par rapport à une situation actuelle et vraiment un enjeu de changement de pratiques agricoles. L'idée, c'est bien d'accompagner en priorité des acteurs économiques. On a aujourd'hui quelques cas, tant en matière de légumes bio que de farine, de blé, de viticulture, qui sont en cours ou qui ont pu être expérimentés à partir de la fin du 10e programme. Juste un mot, donc ce petit diagramme, mais dont l'objectif est bien de dire que tout ce qui va être investissement, notamment de l'aval des filières, ça peut être de la transformation et ça peut être le cas échéant du bâtiment de stockage, mais l'ensemble des études sont finançables à 70%, alors avec des plafonds, je dirais, en termes de filières. Les investissements de l'amont, typiquement, si on parle de l'investissement en matière de matériel agricole, sont eux financé à 50%, puisque c'est le même type de choses que ce qu'on a vu juste avant sur le matériel individuel. Un mot également sur les paiements pour services environnementaux, puisque l'agence a lancé fin 2019 un appel à initiative pour mettre en place un dispositif de paiement pour services environnementaux qui est, je dirais, travaillé, qui a été lancé au niveau national dans le plan biodiversité avec une enveloppe nationale de 150 millions d'euros et environ 30 millions d'euros pour Rhône-Méditerranée et Corse, avec cet objectif double, alors à la fois sur la reconquête de la qualité de l'eau et de la biodiversité, avec l'objectif de rémunérer des pratiques de la part des agriculteurs allant au-delà de la réglementation avec deux axes ou deux briques. D'une part, les infrastructures agroécologiques, donc on veut dire là la proportion de haies, de mares, la variation, ou plutôt la variété du nombre de types de cultures qui sont pratiquées sur l'exploitation par l'exploitant. Et puis, une brique sur la gestion des systèmes de production agricole qui, là, est axée sur le sujet des intrants. Les projets de territoire sont en cours de montage. On a 21 dossiers qui ont été retenus sur l'ensemble des bassins du bassin Rhône-Méditerranée, selon la cartographie qui est indiquée ici. Là aussi, on est sur du 70% pour le montage et on sera à 100% sur les paiements eux-mêmes auprès des agriculteurs. Un dernier mot, parce que je pense que mon ordinateur va redémarrer de manière intempestive dans 20 secondes, je reviendrai juste après. Je ne peux pas l'empêcher de le faire. Donc, l'appel à projet Rebond eau, biodiversité, climat qui a été lancé sur 2020-2021 avec un élargissement d'éligibilité sur certaines thématiques. Pas d'augmentation de taux sur les captages prioritaires puisqu'on est déjà à 70%, simplement une dotation complémentaire de 10 millions d'euros en 2020 et 2021 sur l'agriculture biologique. Voilà, on y est. Alors, Fabien Abad, lui, avait mis son chronomètre pour retenir les durées. C'est beaucoup plus, c'est plus catégorique, c'est plus radical avec Yves Picoche qui a mis son ordinateur en panne si jamais il dépassait. Mais ça va, on était à peu près dans les clous et je crois qu'on a eu l'essentiel. On pourra refaire un point d'ailleurs, si vous le souhaitez, sur ce point particulier de l'appel à projet Rebond qui permet d'aller financer un petit peu différemment les projets. Mais là, il y a peut-être déjà des questions sur les points qui ont été abordés par Yves Picoche, qui va se reconnecter et puis les autres intervenants de l'agence sont là pour vous répondre. Est-ce que par chat, Hakim Barek, on a des questions sur ces orientations de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse concernant ces financements? C'est toujours un point clé, un point important pour tout le monde. Tout à fait. Alors, il se passe aussi quelque chose d'assez intéressant, c'est-à-dire qu'il faut savoir qu'il y a également un certain nombre d'agents de l'agence de l'eau qui sont connectés
et qui sont sur le chat. Et ce qui vient de se passer, c'est qu'une question a été posée. La sécurisation des périmètres des captages est-elle incluse dans les politiques d'aide? Et il se trouve qu'un de nos agents, Jean-Luc Rivière, a fait la réponse par écrit. Donc, en fait, il se passe un deuxième dialogue du côté du chat. En parallèle, c'est normal. C'est pas mal. Donc, du coup, j'en fais quand même profiter tout le monde. La réponse de Jean-Luc est oui, si les travaux sont prescrits dans les DUP en matière de protection de l'aquifère exploité. Voilà. C'est ça. Fabien Abad, en complément? Non, c'est tout à fait ça. Si effectivement les travaux sont inscrits dans la DUP sur ces captages périmétriques, donc ils sont aidables. Très bien. Tout type de travaux hors assainissement collectif et les travaux liés aux décharges. Alors, on a une autre question qui nous vient d'une ARS, Jean-Michel Vaut. Vous faites ressortir que le retour a une bonne qualité. Vous faites ressortir que le retour a une bonne qualité pour autant qu'il n'y ait plus d'apport de pesticides et de nitrates. Pourrait prendre un certain nombre d'années. D'où ma question. Qu'en est-il de la mise en place d'installations de traitement des pesticides et des nitrates? Et c'est une question qui nous vient du Gard. Donc, ce cas de figure est ouvert au financement de l'Agence de l'eau, comme disait Yves Picoche, que dans un cas très particulier. Donc, sur le cas des captages qui sont à l'extrême droite, sur le groupe C en rouge, où effectivement on a des reconquêtes difficiles, il faut qu'effectivement on ait un plan d'action en place et on a aussi une mise en demeure des ARS. Et là, on peut accompagner une usine de traitement de potabilisation, hein, puisqu'effectivement on voit bien que ça sera un temps long, donc les plans d'action vont mettre un peu de temps avant d'agir. Et donc là, on peut accompagner sur la mise en place du NUPEP, traitement nitrate ou pesticide. Par contre, financement particulier, hein, puisque c'est sous forme d'avance. Donc, c'est des avances remboursables. C'est-à-dire qu'on prête l'argent et après, il faudra le rendre sur, je crois que c'était 15 ans, c'est sur 15 ans maintenant, nos restitutions. Donc, voilà, que dans un cas bien particulier, groupe C, mise en demeure ARS et plan d'action déjà en place. Merci, on a le temps pour quelques questions en complément à Kim après ces présentations qui nous ont permis de voir quelles étaient les directions prises par l'agence. Est-ce qu'on a d'autres questions sur le chat ou est-ce que les réponses d'ailleurs ont été fournies directement? Alors, pour l'instant, pas. Des compléments de réponses ont été apportés par Jean-Luc. Ah, une question vient d'apparaître. Entre-temps, Yves Picoche nous a rejoint à nouveau. D'accord, donc Yves Picoche pourra répondre si besoin. Bien sûr. Alors, j'ai une question qui nous vient de la DDT de l'Isère. Frédéric Balin, la validation du plan d'action par AP, ZSCE2, deviendrait-elle une condition pour le financement? Alors je pense qu'en même temps que la réponse, peut-être qu'un élément de traduction peut être apporté. Peut-être un élément de traduction pour… Oui, sur les captages prioritaires, hein, ce qu'on appelle l'arrêté préfectoral ZSC, donc ZSCE, CE en tout cas pour contrainte environnementale, zone soumise à contrainte environnementale, il y en a trois niveaux. Le premier, le ZSC1, hein, c'est la délimitation du captage par arrêté préfectoral. Le ZSC2, c'est l'approbation du plan d'action sur les captages. Et les ZSCE3, on en a très peu sur le bassin Rhône-Méditerranée, c'est le fait de rendre obligatoire tout ou partie de certaines mesures du plan d'action obligatoire par arrêté préfectoral, puisque au niveau de la phase 2, ce qui est adopté, c'est le plan d'action, mais pour autant, il est de mise en œuvre volontaire, ce que dit d'ailleurs le SDAGE actuel, hein, et le projet de SDAGE, c'est bien que l'objectif, c'est de bien cadrer le plus possible, hein, effectivement, les plans d'action et la démarche à travers ces arrêtés préfectoraux, et aussi que quand, au bout d'un certain temps, il y a peu de mise en œuvre volontaire, il faut envisager, et il ne faut pas exclure, effectivement, d'aller vers l'arrêté préfectoral de phase 3. Ce que l'on peut dire, hein, c'est que l'arrêté préfectoral de phase 1 et de phase 2 sont plutôt la bonne pratique et la norme qui permettent de stabiliser les choses. Encore une fois, dans le slide, hein, qui parlait des critères d'identification de la pérennité, c'est un des critères possibles. Maintenant, il y en a d'autres, donc il n'y a pas d'absolue obligation, mais enfin, c'est quand même une bonne pratique, en tout cas au niveau du ZSCE phase 2, d'avoir une adoption par arrêté préfectoral. À ce stade, ce n'est pas la seule condition qui, dans le programme, permet le financement.
Yves Picoche, quitte à redescendre un petit peu votre écran pour qu'on voit un peu mieux, quelques mots sur l'appel à projet rebond dont vous avez donné quelques éléments, mais très rapidement tout à l'heure, parce que je le disais à votre absence, vous avez été assez radical concernant votre temps d'intervention. Vous vous êtes dit, si je dépasse, je coupe. Donc, votre ordinateur est effectivement coupé. Est-ce qu'il y avait quelques éléments complémentaires à apporter sur ce... Alors, c'est un appel à projet, donc 2020-2021. Donc, c'est un je vais juste réafficher la slide, mais parce qu'effectivement, je n'avais pas le choix. Ça, c'était sans que je puisse… Pas forcément, je voulais juste avoir peut-être une mise en contexte, sachant que de toute façon, les présentations vont être mises en ligne sur le site web de l'agence dans les prochains jours. Donc, on retrouvera la slide. Oui. C'est plus avoir une mise en perspective de votre part sur l'appel à projet rebond, voir là où il vient compléter les aides utilement. Alors donc clairement, hein, ça fait partie de la réponse de, ça fait partie de la réponse de l'agence finalement pour remettre… je dirais dès après la fin du premier confinement hein, de ce printemps pour bien remettre et également juste après les élections municipales hein, finalement à remettre à l'agenda le plus vite possible des collectivités les sujets eau à l'ordre du jour hein, avec deux axes principaux. D'une part des élargissements d'éligibilité qui vont être plutôt géographiques en matière d'eau potable ou d'assainissement, c'est-à-dire de faire y compris dans des zones non rurales, ce qui pouvait être éligible en zone rurale. Ça peut être par exemple le renouvellement des réseaux d'eau potable ou d'assainissement, ou bien de manière thématique, c'est-à-dire intervenir par exemple sur les macro-pollutions, ce que l'on faisait peu ou pas sur le domaine industriel, sur le sujet. Et c'est également sur des politiques prioritaires qui étaient déjà éligibles et qui restent bien évidemment éligibles, hein, le fait d'augmenter les taux. C'est le cas sur les économies d'eau ou sur les milieux, par exemple. Et ce que je voulais en particulier indiquer, hein, c'est que cet appel à projet donc, de durée limitée, 2020-2021, il a une enveloppe de 180 millions d'euros et que l'objectif, hein, c'est qu'on soit sur des projets extrêmement mûrs, capables de démarrer très rapidement et donc sur la logique hein, du premier arrivé, premier servi. Premier arrivé, premier servi, ce n'est pas celui qui dépose le dossier. Le premier, c'est celui qui est capable de démarrer effectivement l'opération favorable et visée hein, dans l'appel à projet de manière rapide. Je le disais, mais j'ai dû être coupé sur la fin. Stricto sensu, hein, les captages prioritaires ne sont pas dedans dans la mesure où elles ont déjà le taux maximal du programme. Ce que l'on a souhaité faire dans le cadre de ce rebond, hein, c'est d'augmenter finalement les dotations possibles en matière d'agriculture biologique sur les millésimes 2020 et 2021, chacun augmenté de 10 millions d'euros par rapport à une dotation qui était à peu près de ce volume-là, je dirais, prévu avant le rebond. Très bien. Y a-t-il d'autres contributions, alors, ou oui, par nos intervenants, ou avec le chat, Hakim? Oui, alors, on reste dans la thématique des ZSCE, Yves, je vois que ça t'inspire. Sera-t-il possible de prendre les arrêtés sans faire pour autant référence à la démarche ZSCE? Merci. Cette question nous vient de Joël Raymond. Alors, j'avoue que je ne la comprends pas bien la question. Si Fabien, toi, tu l'as… Ou si on peut avoir un complément dans la question de l'intéressé ou de l'intéressé et eux, d'ailleurs, sur cette question, Joël Raymond, si vous pouvez nous en dire davantage pour pouvoir préciser. On va ensuite passer à la table ronde. Et parmi les éléments que vous apportiez, Yves Picoche, il y a effectivement un certain nombre de points qui correspondent tout à fait au terrain sur lesquels interviennent les personnes qui vont témoigner, qui sont les situations où effectivement il peut y avoir des pollutions industrielles également, hein, et où on peut y avoir aussi des besoins d'impulsion d'aide sur les économies d'eau. On a des situations hydrographiques où effectivement on est sur ces besoins. Oui, Hakim? Alors, deux questions que je vais grouper en une, en fait. Hein. Une qui pose une question sur l'appel à projet rebond. Concernant l'appel à projet rebond, quand aurons-nous un retour pour les projets qui sont prêts à démarrer, d'une part? Et d'autre part, donc, il est question de cet appel à projet rebond, mais il a aussi également question de l'appel à initiative qui a été mentionné tout à l'heure, semble-t-il, par Fabien, l'appel à initiative concernant les PSE. On nous demande, et donc Karen Regragui nous demande s'il y aura un nouvel appel à initiative concernant les paiements pour services environnementaux. Donc, deux questions. Donc, sur l'appel à projet rebond, ce que l'on peut dire, en tout cas, hein, à ce stade, hein, c'est que on a eu
Donc, à chaque fois, hein, globalement, qu'un projet est déposé, il va être examiné, hein, par les équipes de l'agence. Et puis, il va, surtout pour les projets évidemment importants et pour lesquels on n'aurait pas les éléments en termes de démarrage, hein, contact va être repris avec le maître d'ouvrage. Ce que l'on sait, c'est que à ce jour, hein, à fin d'année 2020, on a eu beaucoup de demandes et de projets, hein, qui ont fait l'objet de décisions d'aide, puisque, en tenant compte, je dirais, et sous réserve, hein, des décisions qui seront soumises à la prochaine commission des aides de ce jeudi, on sera à peu près à 90 millions d'euros d'aides qui auront été attribuées. Et encore une fois, hein, l'objectif, c'est que pour ces opérations, les travaux démarrent, soit ont pu démarrer au moment où l'aide est strictement décidée, ou bien un peu avant, ça peut arriver, hein, pour certaines situations, mais on est vraiment dans les quelques mois ou plus tard, après la décision d'aide, et c'est vraiment quelque chose sur lequel on tient à avoir des garanties de la part des maîtres d'ouvrage. Sur le deuxième point que j'oublie pourtant, oui, sur les paiements pour services environnementaux, Environnementaux. on est sur un dispositif, hein, expérimental qui a été calé au niveau national. Donc, c'est un dispositif qu'on mène en une fois, hein, donc c'est pour ça que les 21 projets sélectionnés sont ceux qui le sont pour la période finalement des quelques années à venir. L'idée de cette expérimentation, c'était aussi je dirais, la suite de cette réflexion soit en particulier reprise à travers la future politique agricole commune et du futur projet stratégique national, sur lequel on ne peut pas s'engager effectivement à ce stade, hein, mais ce sujet des PSE et de ce qui s'appelle les éco-schemes la future politique agricole commune, c'est aussi d'inspirer ce type de dispositif dont un relais, une forme de relais, hein, pourrait être pris de manière plus pérenne par la future politique agricole commune et sa déclinaison française. Très bien. Alors, un mot sur ce qu'on va pouvoir avoir à disposition à l'issue de ce webinaire, hein, pour que les personnes sachent bien, effectivement, il y a la plaquette, hein, les plaquettes de l'agence de l'eau, il y a le guide d'âge, il y a la présentation qu'on a entendue tout à l'heure et vue de Fabien Abad, la présentation d'Yves Picoche, on retrouvera tous les éléments qui étaient présentés dans les PowerPoint, et puis l'intégralité de ce webinaire en vidéo, tout ça disponible dans les jours qui suivent. Évidemment, il faudra un petit peu de temps pour la mise en ligne de certains de ces documents. Voilà, ça c'est ce qu'on retrouvera donc à l'issue du webinaire qui s'achève à 16h30. Pour l'heure, il est 15h11. C'est l'heure de nous retrouver en table ronde. Alors, on a voulu effectivement donner la parole à des acteurs de terrain, des personnes qui connaissent des situations extrêmement variées. Ça va être l'intérêt de cette table ronde. Évidemment, on l'aurait voulu un petit peu plus complète, si on avait été sur le terrain, on aurait pu rencontrer un peu plus de monde, mais dans le temps qui nous est imparti, vous allez voir que ces témoignages sont déjà très, très riches. Alors, je vous propose de voir à l'écran. Alors, moi, de mon côté, j'arrive pas. Alors, est-ce que vous êtes bien sur les intervenants de la table ronde? Parce que moi, on est. Oui, c'est bien ça. Donc, Jean-Charles Malatré va intervenir. Il est vice-président délégué au cycle de l'eau, donc sur la communauté de communes entre Bièvre et Rhône. Richard Fragnoux, vous pouvez toutes et tous allumer vos micros. Vous êtes membre du groupe technique Arboriculture, qui est un groupe qui réunit des professionnels de l'arboriculture. Et vous êtes donc agriculteur sur le captage d'Anien dans l'Isère. Florian Ollier, vous êtes chef de projet du programme donc Agriculture durable et eau à Valence Romain Glos. Nathalie Comette, présidente d'AOP Faugère. Je précise tous ces points-là qui sont à l'écran, au cas où les personnes soient sur des écrans un peu petits ou avec la difficulté de pouvoir décrypter. Et Benjamin Pallard, animateur pour l'agglomération du Pays de l'Or, donc à côté de Montpellier. Et puis Jacques Espitalier, enfin, vice-président du parc naturel régional du Verdon, délégué à l'eau et milieu aquatique et au patrimoine naturel, président de la commission locale de l'eau du Verdon Valensole. Et on évoquera votre situation, qui n'est d'ailleurs pas une situation très facile concernant la capacité à retrouver une eau de qualité et à supprimer certaines molécules qui ont été placées sur le plateau de Valensole. On y reviendra tout à l'heure. Mais voilà quels sont nos invités. Alors, avec des questions qui sont des questions qu'on retrouve dans d'autres
d'autres thématiques concernant l'eau, qui sont les questions de solidarité amont-aval, par exemple, ou des questions plus techniques ou de rencontres entre les agriculteurs. On va commencer par cette première question sur la qualité de l'eau. Il y a bien souvent une question de solidarité entre l'amont et l'aval, et ça, c'est un point qui a été très clairement à l'esprit des personnes qui ont travaillé sur le secteur de l'AOP Faugère. Nathalie Comets, bonjour. Bonjour. Présidente de l'organisme de défense et de gestion des AOP Faugère. On va venir sur cette question de la solidarité amont-aval parce que votre AOP Faugère, elle se situe en amont du bassin versant. Donc là, on est sur des cultures de vignes. On sait que entièrement, oui. Viticole, entièrement. Voilà, c'est ça, entièrement. On sait que ce sont des cultures qui appellent souvent des traitements quand on n'est pas sur des modes d'agriculture alternatifs ou qui sont raisonnés, on va dire, ou bio. Souvent, on a quand même beaucoup de produits d'intrants, notamment pour le désherbage des vignes. Et là, il y a toute une réflexion de votre côté. Racontez-nous l'expérience que la coopérative, que les coopératives et les viticulteurs ont engagée sur le territoire des AOP Faugères. Donc, l'AOP Faugères, c'est effectivement une cave coopérative et qui comporte 80 coopérateurs et 60 caves particulières sur un territoire qui est entièrement en AOP. Donc, on a tous les producteurs du territoire dans l'ODG. Ça, c'est un point très, très important, hein, sinon on ne pourrait pas agir sur le territoire. Et donc, effectivement, il y a une dizaine d'années, on a finalement trouvé des convergences entre l'intérêt de la qualité des raisins qui doit être garantie par ce cahier des charges d'appellation d'origine contrôlée et l'environnement et la qualité de l'eau. Et ça a été aussi mis en évidence par une rencontre avec le syndicat mixte de Rivière qui s'occupe de la qualité de l'eau et donc sur l'ensemble du bassin versant et qui a permis de bien montrer l'importance finalement de l'amélioration des pratiques sur Faugère pour des captages qui étaient le captage Grenelle, je crois bien, donc prioritaire en aval du territoire de l'appellation. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que les vignes chez vous, ça représente une part importante de la surface. Il y a 2000 hectares de vignes sur 5000 hectares de territoire, hein, vous disiez. Ouais. Donc, quand même une proportion. Il y a 7 communes rurales qui sont associées. Et puis, ça doit être tout ce que vous engagez, en fait, doit être repris par les producteurs de Faugère. C'est l'idée. Ce qui est dans le cahier des charges. Alors, vous avez raison d'insister sur le désherbant, sur les herbicides, parce qu'il y avait vraiment des soucis d'herbicides dans les captages, les eaux souterraines dans cette région et celle-là en particulier. Après, je veux dire qu'on soit bio, alternatif ou pas, pour tout le reste, la vigne est traitée de toute façon, hein, et même en bio, il y a les intrants qui ne sont pas désirables, et en particulier les insecticides. Donc on a effectivement fortement réduit les obligations, on a obligé à réduire les herbicides dans le cahier des charges de Faugère. Donc ça, c'est intéressant et ça a intéressé l'Agence de l'eau parce que aujourd'hui les cahiers des charges sont contrôlés comme n'importe quel label. Donc il y a cette garantie de contrôle qui n'est pas forcément facile à mettre en œuvre, mais en tout cas qui est obligatoire. Donc ce qu'on fait, on dépense beaucoup d'énergie pour ça. Voilà. Ensuite, on a agi aussi de manière collective sur d'autres choses qui ne passent pas forcément par le cahier des charges, mais constituent, à mon avis, une démission d'une appellation d'origine contrôlée. Voilà. Donc, les insecticides, par exemple. La plus grande impulsion pour parvenir à réunir tout le monde, c'est quoi? Qu'est-ce qui motive les troupes? Parce qu'on peut avoir des niveaux, des degrés, on peut l'imaginer. Alors, qu'est-ce qui motive les troupes? Ce qui motive les troupes rapidement, c'est d'être transparent avec les troupes, c'est de ne pas les culpabiliser, parce qu'on est aujourd'hui pris au piège dans des systèmes agricoles qui ont été mis en place il y a assez longtemps et dont on est évidemment les acteurs, mais aussi les victimes sans faire de victimisation. Donc ça, c'est clair. Et puis la chose la plus importante, c'est qu'on a aussi mis en œuvre
Enfin, on a aussi considéré tout le volet économique, c'est-à-dire qu'on dit, voilà, ces pratiques, effectivement, il faut les modifier, il faut les mettre en œuvre, mais à condition de pouvoir vivre avec et pas simplement être soit dépendant des aides, et on a beaucoup d'aides, mais ça, c'est pas normal non plus, mais de faire vraiment une analyse lucide de la situation économique et de voir comment on pourrait créer de la valeur avec ces pratiques-là. Et ça, ça a été aussi aidé par l'Agence de l'eau. On va revenir sur votre exemple tout à l'heure, mais on va faire un tour, on va évoquer les différents cas et les différents retours d'expérience qui sont permis par cette table ronde à distance. Richard Franiou, vous êtes-vous donc plutôt sur l'arboriculture ? Alors, je vais essayer de vous voir parce qu'il y a beaucoup d'intervenants. Voilà. Vous êtes sur l'arboriculture et vous participez en fait à un groupe d'arboriculteurs, de professionnels qui se réunit depuis quelques temps. Alors, c'est intéressant. D'où est parti ce groupe exactement ? Quand est-ce que ça a commencé ? Donc, bonjour à tous. C'est bien ça, vous avez raison. Il y a 3 ans environ, 2 ou 3 agriculteurs dont j'en faisais partie, on se posait souvent des questions sur les échanges un peu qu'on pouvait avoir sur certains traitements, sur certaines actions. Et avec la Chambre d'agriculture et puis notre animateur là, du secteur, Jean-Mathieu Fontaine, on a eu une réflexion et on a créé un groupe d'échange avec un technicien à notre, pour chapeauter ça, qui nous donne des conseils. Et donc, la première année, nous étions 3 ou 4 agriculteurs. Et puis, tout le monde a joué le jeu. On a bien… Enfin, on mettait carte sur table, en fait. Chacun disait les erreurs, les erreurs qu'il avait pu avoir avec certaines choses, d'autres les désavantages. Et ça a été un peu le moteur du groupe. Et puis, il s'en est greffé encore 2 autres agriculteurs. Donc, nous sommes 6. Nous pratiquons une rencontre tous les 15 jours. Donc, on change d'exploitation. On varie un peu les espèces. Donc, chacun à son tour reçoit les autres. Et puis, la technicienne fait un lien, nous prépare un peu la réunion avec les objectifs qu'il y a, des traitements à éviter, des traitements qui vont être à venir suivant la météo. Donc, ça ne sert peut-être à rien de faire un traitement si la météo est favorable. Donc, on est assez bien guidé là-dessus. Et le groupe fonctionne bien comme ça. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez décidé d'entrer en contact les uns avec les autres, les agriculteurs du coin, les arboriculteurs du coin, pour pouvoir avoir des vraies rencontres professionnelles régulières et très illustrées par ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, quels sont les traitements qui vont avoir lieu, et puis avoir un retour d'expérience qui est démultiplié finalement par le témoignage des voisins. Hein, c'est ça l'idée, c'est-à-dire qu'on acquiert les compétences aussi par échange avec les autres. C'est bien ça. Et dans notre groupe, on a la chance d'avoir 2 agriculteurs bio et ça se passe très bien. Bon, au début, chacun était un peu sur ses gardes. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on dit? Et puis, il fallait se lâcher, en fait. Ça ne sert à rien de faire partie d'un groupe et puis si personne ne raconte cette expérience. Donc, les agriculteurs bio regardent un peu ce qui se passe ou les difficultés qu'ils ont à mettre certaines opérations en place. Et puis, les agriculteurs conventionnels, on regarde ce qui marche chez les bio et puis on leur pique un peu leurs idées. Enfin, on se sert un peu de leurs idées qui avantagent un peu tout le monde. Donc, je trouve que sur le fond, c'est un bon principe. Après, il faut que tout le monde joue le jeu. Voilà. Ouais. Alors, sachant que vous n'avez pas été moteur, vous particulièrement, pour cette rencontre entre agriculteurs, parce que vous m'avez dit qu'au tout départ, vous pensiez y perdre du temps. Enfin, mais c'est pas tellement. En fait, c'est vrai. J'avais vécu déjà une expérience dans une OP précédente. Et au début, c'était un peu une contrainte de participer à ces réunions. Et puis, au fil du temps, on s'aperçoit qu'en fait, on a plus à y gagner qu'à y perdre. Et à la fin, j'en manquais point. Et là, cette année, donc, avec les événements, la crise sanitaire qu'il y a eu, donc nos réunions ont lieu de mars à mi-mai, en gros. Et donc, on ne pouvait pas se rencontrer, vu que tout le monde était confiné. Et on a quand même fait nos réunions par téléphone. Donc, on était tous en lien. On ne se voyait pas, bien sûr. On n'a pas pu aller sur le champ pour vérifier certaines choses. Mais on a quand même pu échanger.
Voilà. Et là, vous êtes à côté de Jean-Charles Malatré, qu'on retrouvera tout à l'heure. Je vous donnerai la parole tout à l'heure, Jean-Charles Malatré. Là, ce sont les démarches donc, hein, des professionnels, des exploitants. Il y a aussi les démarches qui sont engagées par les collectivités. On a plusieurs témoins sur cet aspect avec vous, Benjamin Pallard. Donc, vous êtes responsable du service espaces naturels et agro-environnement à la direction de l'eau de l'agglomération du Pays de l'Or au sud-est de Montpellier, Mogio, Valergue. Donc, on est sur une région d'étang. Hein, où l'eau a des réalités qui ne sont pas forcément les mêmes que dans d'autres territoires de la région. Quel est un petit peu le contexte chez vous, Benjamin Pallard ? Bonjour à tous. Au niveau de l'agglomération du Pays de l'Or, on a une problématique sur nos captages souterrains qui exploitent l'eau de la nappe du Villafranchien, qui est la nappe souterraine au niveau du territoire. Et sur 10 captages, on en a 8 qui sont prioritaires, avec des pollutions à la fois nitrates et pesticides. Et à côté de ça, donc, on a aussi toute la problématique des eaux de surface, où on a un étang et des cours d'eau qui présentent des pollutions et à la fois pesticides et un risque d'eutrophisation. On est plutôt sur des renouvellements rapides ou des renouvellements lents, pour reprendre la thématique développée tout à l'heure par Fabien Abad ? Là-dessus, c'est variable. On a des captages où on est autour de 15-20 ans. On a un captage où, par contre, on va au-delà, on est au-delà de 30 ans. Donc, c'est vraiment, on est plutôt sur 15-20 ans au niveau des renouvellements sur les captages. On va voir tout à l'heure quelles sont les actions que vous entreprenez. Floriane Ollier, donc vous êtes chef de projet du programme Agriculture durable et eau pour Valence Roman Aglo. Alors là, c'est une vision très intégrée que vous avez souhaité développer avec tous les enjeux eau en lien avec le secteur agricole. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une vision petit bout par petit bout, vous vous êtes dit on va essayer d'avoir une vision très, très complète. Oui, bonjour. Donc, au niveau de l'agglo de Valence Roman, on a 7 captages qui sont prioritaires, bientôt 8. On a 20 000 hectares de surface agricole qui sont concernés par une aire d'alimentation de captage, donc c'est la moitié de la surface agricole de l'agglo. Nous, notre vision intégrée, on a voulu la développer à partir de plusieurs projets qui se nourrissent les uns avec les autres et qui servent à un même objectif. Donc, sur les démarches captage prioritaires, on a tout ce qui est accompagnement au changement de pratique agricole avec des accompagnements individuels vers les agriculteurs, des accompagnements collectifs. D'un autre côté, on mène des études pour développer des filières à bas niveau d'intrants, donc avec les opérateurs économiques, et pour garantir des bouchées économiques de qualité aux agriculteurs auxquels on demande de changer leurs pratiques. Et d'un autre côté, on est en train de développer une stratégie foncière eau. Donc là, on est plutôt sur la phase 1 qui est aboutie. On va bientôt rentrer dans une phase opérationnelle. Et cette stratégie foncière sur l'eau, elle a 3 entrées que sont les milieux aquatiques, les zones humides, les ressources souterraines et le risque inondation. Donc, ça nous a permis de cartographier des gros secteurs à enjeu pour l'agglo sur lesquels il serait intéressant et souhaitable de maîtriser les usages du foncier. Quand vous dites maîtrise, c'est quoi ? C'est de l'acquisition foncière ou c'est plus des conventions de partenariat ou avec les exploitants ? Qu'est-ce qui se distingue ? Alors, pour le moment, on n'a pas un outil qui se distingue d'un autre puisqu'on va rentrer dans la phase 2 prochainement. Nous, en tant que collectivité, on n'est pas dans un objectif de tout acquérir parce qu'on ne peut pas et on ne peut pas gérer tout le foncier et on n'a pas les moyens pour acquérir tout le foncier. Et on est plutôt dans la maîtrise des usages et dans l'accompagnement des usages comme on l'est aussi sur l'accompagnement des changements en pratique. Très bien. On reviendra bien sûr sur cet exemple, y compris avec les questions, avec Hakim tout à l'heure, quelles sont les questions qui seront posées via le chat, on le verra tout à l'heure. Deux situations assez contrastées pour terminer, la situation rencontrée par Jacques Espitalier et puis Jean-Charles Malatré qu'on a vu tout à l'heure et qu'on va retrouver. Jacques Espitalier, vous êtes sur un plateau du Valensol, vous êtes vice-président du parc naturel régional du Verdon, donc délégué à l'eau et au milieu aquatique, donc président, je le disais, de la commission locale de l'eau du Verdon au Valensol. C'est un plateau très sec, hein, le plateau du Valensol, qui est vraiment dans une situation assez fragile en termes de quantité déjà, et puis il y a des petits soucis de qualité également que vous rencontrez. Quel est le contexte pour connaître un peu mieux votre situation ?
Alors, mais, démarrez votre micro parce que vous avez bien fait de le couper tout à l'heure pour éviter les perturbations sonores. Et évidemment. Oui, bonjour à tous. Excusez. Ah, non, pas du tout. Pas besoin. Votre plateau de Valensole, quel contexte ? C'est un contexte, je disais, qui est assez fragile. C'est un contexte particulier, le plateau de Valensole. C'est un plateau qui a une surface de 30 000 hectares, dont 20 000 hectares à peu près de surface agricole utile. C'est un plateau très sec, c'est un plateau qui a une conception géologique. Hein. C'est un plateau constitué d'un poudingue sur des épaisseurs qui avoisinent entre 500 et 800 mètres d'épaisseur. Donc des sédiments, hein, c'est ça. Hein. Des sédiments, oui, congressionnés, donc avec des couches arables de 40 à 50 cm, un peu plus dans certains endroits. Et donc, c'est un plateau qui a connu des évolutions agricoles, hein, et où l'agriculture telle qu'on la connaît aujourd'hui est une agriculture relativement récente. Hein, elle date de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, hein, dont la mécanisation. Avant, on était sur une agriculture très extensive, hein, pâturage, amandier, quelques petits champs de lavandin. Aujourd'hui, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les champs de photos de lavandin qu'on voit défiler de partout, voilà, avec une culture semi-industrielle de cette plante emblématique de la Provence. Alors, vous avez été agriculteur. Oui. Vous avez participé, comme d'autres, à l'intensification de cette agriculture à une époque où les connaissances n'étaient pas les mêmes, où certaines molécules utilisées sont aujourd'hui interdites, et sans savoir que ce plateau, par sa constitution même, allait retenir certaines molécules et les relarguer très lentement. Et alors, ça, c'est vraiment un souci chez vous, c'est-à-dire qu'on n'a déjà pas beaucoup d'eau, mais avec certains produits qu'on a utilisés il y a quelques décennies, on a finalement pollué les sédiments qui relarguent tranquillement ces molécules dans l'eau. Oui, comme je le disais précédemment, c'est une agriculture relativement récente, un peu plus de 70 ans, avec une intensification dans les années 70-80, et donc l'utilisation de produits, de pesticides, notamment sur le lavandin, en premier lieu, un désherbant du lavandin qui est interdit depuis maintenant plus de 30 ans et où on note les effets indésirables, notamment sur les nappes souterraines. Où malgré les études qu'on a lancées avec surtout que l'Agence de l'eau a porté et missionné le BRGM, la Société du Canal Provence, une étude qui s'appelait COMET, compréhension des mécanismes de transfert, hein, comment ces polluants ont transité dans les nappes d'eau souterraines du plateau de Valensole, nous ont pas permis quand même de lever un voile et un espoir sur les reconquêtes futures. Hein, et le temps va être long. Le parc du Verdon s'est saisi depuis les années 2000, saisi de cette problématique. Hein. Moi, en tant que gestionnaire de l'eau du Verdon, hein, saisi de cette problématique. Et on a lancé, alors vous parliez tout à l'heure de solidarité amont-aval. Nous, on a inversé un peu le sens de l'eau. Hein. On a signé une convention de partenariat, bien sûr avec l'Agence de l'eau, ça c'est notre... mais avec la Société du Canal Provence sur une solidarité aval-amont. Oui. D'où a découlé un projet qui est devenu maintenant un programme, hein, le programme Regain. Dont on reparlera tout à l'heure. Alors, une dernière situation, Jean-Charles Malatré. À l'opposé de celle de Jacques Espitalier, qui est une situation du côté de la communauté de communes de Bièvre-et-Rhône, entre Bièvre et Rhône, une situation où on a au contraire beaucoup d'eau. En quantitatif, on est vraiment sur une situation où l'eau ne manque pas. Vous êtes vice-président délégué au cycle de l'eau. Vous êtes un nouvel élu donc, depuis quelques mois de cette communauté de communes, et avec telle enseigne que chez vous, on vient s'installer d'ailleurs pour les quantités d'eau disponibles, et notamment les industries. S'installe là parce qu'on peut avoir accès à une eau en quantité. Est-ce que c'est aussi une eau de qualité, Jean-Charles Malatré ? Pardon, je n'ai pas entendu. Est-ce que c'est une eau, vous êtes un peu plus loin, effectivement. Est-ce que c'est une eau de qualité en même temps que c'est une eau de quantitativement, vous avez beaucoup d'eau, hein, vous m'aviez dit, sur le secteur, c'est ce qui motive l'installation de nombreuses industries. Est-ce que c'est une eau qui, à force d'accepter ces installations, plus peut-être la pression également de l'agriculture, est-ce que c'est une eau qui est une eau de qualité, qui est encore aujourd'hui une eau de qualité ? Oui, les captages... Le captage principal, il est dans la nappe du Rhône ou l'accompagnement du Rhône. Voilà. Il faut savoir que la communauté de communes, c'est 70 000 habitants.
Donc, le principal de l'alimentation en eau se fait par le captage du Rhône. Après, on a un captage complémentaire qui est important puisqu'il couvre à peu près 4-5 communes et deux communes essentiellement alimentées par ce caspage. C'est un captage qui est situé un peu à l'extérieur du Rhône, hein, dans un petit bassin versant, hein, qui alimente à peu près environ 10 000 habitants. Hein, et ce captage a un problème, bien sûr, parce que c'est des eaux de surface. Hein, c'est des eaux qui sont proches du sol, à peu près un captage qui doit faire une dizaine de mètres de profondeur. Et surtout, il y a en amont une zone agricole à peu près de 1500 hectares qui concerne une quarantaine d'agriculteurs et qui, donc cette eau pose des problèmes au niveau de la qualité. Voilà. Il y a des traces, bien sûr, il y a des nitrates, hein, ça c'est sûr, mais les nitrates, depuis quelques années, ont tendance à baisser. Et par contre, il y a aussi des traces de désherbants. Hein, voilà. Donc, mais là, il y a des discussions avec les agriculteurs depuis longtemps, c'est une nappe qui est très suivie. Il n'y a pas eu de traitement jusqu'à maintenant. Après, au niveau du captage principal sur le Rhône, c'est une eau qui a aussi des nitrates, mais les nitrates ont tendance à baisser. C'est vrai qu'il y a un fort impact environnemental avec les usines chimiques, mais là, c'est très, très contrôlé un peu par tout le monde, hein, le service des eaux de la communauté de communes. Et donc là, il y a des réunions, des concertations, et il y a beaucoup de progrès qui sont faits. Voilà. Alors, je vous posais cette question parce que, historiquement, par votre profession, vous avez vendu des systèmes de pompage, des systèmes aussi d'arrosage aux agriculteurs. Vous voyez arriver des industries. Alors, beaucoup d'élus se satisferaient de l'arrivée des industries. C'est vrai que cette quantité d'eau que vous avez sur le secteur, c'est beaucoup lié à la fonte des glaciers, à la situation de montagne qui est en amont. Et ça vous inquiète un petit peu l'installation de ces industries par rapport aux questions de quantité. Et je vous pose ces questions de quantité alors qu'on est sur la question des captages. On a quand même souvent une question de convergence quand même entre qualité et quantité. Tout dépend des captages, à quel point ils affleurent ou non. Mais ça pose quelques questions. Vous posez des questions en tant qu'élu sur le développement industriel. Voilà, et les quantités sont contrôlées. Hein. Disons qu'il y a une baisse des quantités depuis de nombreuses années. Et ces quantités, certainement disponibles, vont poser problème le jour où il y a d'autres industries qui voudront s'installer. Voilà, ça c'est une question, parce qu'on ne peut pas se permettre d'augmenter les quantités. Nous sommes limités en quantité. Hein. Je n'ai pas les chiffres exactement là, fournir, mais il y a quand même des quantités actuellement considérables qui sont prises par cette industrie chimique. Les industries qui se sont installées dans cette partie de la vallée du Rhône ont recherché des sites potentiellement fournisseurs en eau, hein, aussi bien le textile, l'agroalimentaire que le chimique. Très bien. On verra avec vous ce qui marche ou ce qui fonctionne moins bien sur votre secteur pour préserver la qualité donc des points de captage. Je vais revenir à vous, Nathalie Comette, et puis on ira voir tout à l'heure du côté d'Hakim s'il y a des questions sur le chat, des sollicitations. Alors, Nathalie Comette, on est donc sur l'AOP Faugère avec des viticulteurs qui sont conscients qu'il y a un certain nombre de bénéfices à participer à une amélioration des pratiques hein, pour pouvoir avoir un moindre impact sur l'eau. Il y a cette solidarité alors, là qui est vraiment dans le sens amont-aval qui se produit. Et qu'est-ce qui fonctionne, vous, dans votre coopérative, dans votre système donc c'est l'ODG, hein, l'Organisme de défense et de gestion des AOP Faugère. Qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui est apprécié par les professionnels et qu'est-ce qui donne des résultats sur la qualité de l'eau? Alors d'abord, l'ODG n'est pas une coopérative du non, tout. La coopérative est un acteur, est une manière de produire du vin en coopérative, et puis il y a des caves particulières. L'ODG, c'est l'organisme qui gère l'appellation, c'est-à-dire le produit sous signe de qualité et d'origine. Hein, voilà. Et qui est aussi géré par l'argent public, hein, puisqu'il s'agit de l'INAO. Et voilà. Donc, qu'est-ce qui marche Ce qui marche, c'est d'être auprès des producteurs et voilà, de ne pas se leurrer sur de ne pas,
de pas être ni dans l'idéologie, mais d'être dans le pragmatique, et en particulier avec des résultats d'analyse. Là, on a mis en place des analyses à la sortie de l'appellation. Donc, on sait de manière théorique que ce qui se passe sur l'appellation peut se retrouver dans un certain nombre de captages en aval, mais on ne sait pas exactement si tout ce qu'on a fait depuis et qu'on continue à faire depuis 10 ans, par exemple, fonctionne. Hein. Tout ce qui est intuitif en la matière ne fonctionne pas toujours pour les raisons qu'on a dit tout à l'heure. Ça peut être des eaux qui mettent du temps à se renouveler, enfin bon, ce genre de trucs. Donc là, on commence à faire des analyses en sortie d'appellation pour voir si véritablement on a donc dans les eaux de surface, hein, dans des cours d'eau intermittents, c'est les cours d'eau intermittents méditerranéens, pour savoir si et on commence à avoir des résultats qui sont, alors là pour le coup, pas tellement étonnants. Alors ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est qu'à Faugères, depuis 10 ans, on a plus de la moitié, maintenant 60% des surfaces qui sont en bio. Donc ça progresse beaucoup. Donc d'un point de vue des herbicides, vous comprenez bien que c'est vraiment intéressant. Bon, bah, les zones qui sont très bio, bah, y a moins de soucis dans les cours d'eau qui sont à proximité que les zones qui le sont moins. Ça, ce sont les premiers résultats, et ça permettra quand même, je pense, d'informer les producteurs et de pouvoir essayer de poursuivre les efforts entrepris. Ouais, voilà. Donc il y a un point important, c'est la connaissance, c'est de pouvoir s'appuyer sur des éléments, sur des chiffres. Oui. Bon, oui, sur la connaissance et puis sur la connaissance en général. C'est-à-dire que quand on n'utilise plus l'herbicide, on a d'autres défis à relever. En matière agricole, celui du changement climatique. Et donc là aussi, on a un peu de la chance, entre guillemets. C'est-à-dire que quand les sols fonctionnent mieux, on a aussi des chances d'être plus résilients d'un point de vue du changement climatique. Là aussi, il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas leurrer les gens. Ce sont des questions qui sont difficiles. Mais on essaye d'être un peu à la pointe en matière de connaissances scientifiques sur ces sujets-là. Par exemple, l'importance des mycorhizes. Aujourd'hui, on a découvert, hein, l'agronomie a découvert que plus de 85% plus même des plantes vivent bien grâce à des mycorhizes, un peu l'équivalent du microbiote pour les uns et les autres. Elle avait complètement négligé ça pendant très longtemps, et qu'elles sont favorisées par une vie du sol, une diminution des engrais potassiques en particulier, etc., etc. Des trucs comme ça qui paraissent, mais en fait, qui sont quand même importants. Voilà. Donc ça, c'est effectivement un des piliers, c'est d'être à la pointe d'un point de vue agronomique, là, pour le coup. Ouais, c'est ça, ces petits champignons qui entrent finalement en dialogue avec les plantes et qui leur permettent une croissance. C'est plus que du dialogue, hein. C'est comme dans vos intestins, c'est-à-dire que ça pénètre vraiment dans les racines, et ça fait partie entièrement de la physiologie d'une plante. Une plante sans mycorhize, en tout cas pour celles qui sont mycorhizées, et c'est encore une fois l'immense majorité, elle est en survie, quoi, sans ça. Mais sincèrement, on a redécouvert ça il n'y a pas très longtemps. C'est des trucs qu'on connaissait depuis les années 70, mais que l'agronomie théorique avait complètement négligé parce qu'on mettait plein d'engrais, que ça marchait bien et que voilà, quoi. Alors, il y a les travaux de François Le Tacon à l'INRA de Champigny, qui travaille depuis les années 90, qui avait très clairement mis ça en évidence, cette symbiose. Hein, quelque chose de très intéressant et qu'on peut effectivement avoir à l'esprit en remplacement de produits qui sont des produits qu'on apporte sur les cultures. C'est aussi peut-être intéressant sur le plan économique, d'ailleurs. Quel bilan économique est-ce que, de ce que vous voyez, on est plutôt sur des schémas où on fait des efforts, ou on est sur des schémas où l'équilibre économique s'en trouve renforcé? Est-ce que c'est trop tôt pour le dire, d'ailleurs, et quel est votre point de vue? C'est un peu trop tôt pour le dire, et l'effort, c'est surtout de changer de point de vue, ce qui n'est pas forcément un effort au fond, parce que c'est intéressant aussi de changer de manière de voir les choses, parce que ça ouvre des perspectives. Aujourd'hui, l'agriculture est dans une impasse, et donc les gens le savent, même de manière... non dite, même quand il y a un déni, au fond, on sait très bien qu'on est dans une impasse. Donc, de changer de point de vue et d'ouvrir les perspectives, c'est toujours une bonne chose, même d'un point de vue psychologique. Après, économiquement, je ne vous cache pas que la viticulture languedocienne, en particulier, pas qu'en AOC, mais en AOC, on a des rendements extrêmement faibles, hein, puisqu'on est sur les Piémonts, et donc le vin est très bon, mais ça ne suffit pas. Absolument pas, ni pour le vendre, ni pour créer de la valeur. Donc, c'est les perspectives économiques, elles ne sont pas... Et
par exemple, en matière de mycorhize, il n'y a pas non plus de miracle. C'est-à-dire qu'on ne va pas remplacer des tonnes d'unités d'azote à l'hectare par des mycorhizes. Et en tout cas, pas comme ça, ce n'est pas une évidence. Ce n'est pas « ah ben tiens, oui, il y avait qu'à y penser ». Non, ce n'est pas ça. Donc, c'est un peu sur la durée. Et puis chacun, les pratiques des vignerons et des producteurs en général sont très diversifiées. Et je rejoins un peu… le monsieur là qui fait un groupe et qui est bien content de discuter avec des vignerons, excusez-moi pour le nom, mais il n'apparaît pas là, avec des vignerons non bio, ben c'est un peu ce qui se passe à Faugères. C'est-à-dire qu'on a essayé aussi de sortir de cette opposition entre bio et non bio, parce que le bio n'est pas non plus, alors d'un point de vue des herbicides, c'est évidemment une solution définitive, mais pour tout le reste, non. Voilà, donc le dialogue est vraiment très intéressant. Voilà. Richard Franiou, un mot sur ce dialogue avec les intervenants bio. Alors, vous n'êtes pas bio vous-même, vous m'avez même dit on les charriait un peu au début. Je ne sais pas si vous les charriez toujours beaucoup, les agriculteurs bio. En tout cas, il y a l'échange d'informations. Non, enfin, c'était une façon un peu de se motiver. Non, on a des bons échanges. On a des bonnes périodes d'observation aussi. On va découvrir des insectes qu'on entend parler, qu'on ne connaissait pas et qu'on voit dans les vergers bio, des insectes, des bons et des mauvais. Donc, c'est un enrichissement personnel aussi. Et puis, ça fait prendre conscience qu'on peut arriver avec certaines pratiques donc qui sont un peu plus longues à mettre en place, mais qu'on peut tendre à diminuer ces emplois de produits pour avoir à peu près le même résultat. Ouais. Après, on ne peut pas se déclarer du jour au lendemain agriculteur biologique, mais il y a des choses à prendre. Ouais, vous m'avez dit, jeudi matin, on était avec la punaise dorée, c'est ça? Vous étiez en visite sur les exploitations? Oui, la punaise dorée, Et puis, il y a d'autres. Hein. On a des problèmes avec les pucerons, enfin, tous les ravageurs en arboriculture. Hein. On parlait souvent de la Drosophile Suzuki, donc un insecte qui endommage les fruits rouges, notamment la cerise, et tout le monde en a entendu parler, on n'en avait jamais vu. Et là, avec la technicienne, on a pu nous amener des drosophiles, et on s'est dit, bah oui, mais ça, on l'a déjà vu. En fait, on en parlait. On en avait et on ne pensait pas que c'était cet insecte. Donc, je trouve qu'on a une approche vraiment du terrain. Et puis, l'échange, bon, comme je disais, il faut que tout le monde joue le jeu. J'en reviens à ce que je disais toujours, mais au départ. Mais c'est quand ça marche bien, c'est bon pour tout le monde. Alors, quand ça marche bien, c'est-à-dire que l'aspect technique est très important. Vous avez souligné, quand on a échangé un peu en préparation de ce rendez-vous, que effectivement, vous traitiez certains insectes sans savoir du tout quelle était leur allure. Vous ne les connaissiez pas visuellement. Il y en a beaucoup, hein, faut dire. Et vous avez aussi souligné l'importance d'avoir une approche technique. Et là, vous avez une technicienne qui est particulièrement efficace à première vue pour la chambre d'agriculture de la Drôme. C'est exact. Nous sommes de l'Isère, mais on a une technicienne de la Chambre d'agriculture de la Drôme qui est très, très performante et qui a su animer ce groupe. Donc, je pense que c'est en partie un peu grâce à elle aussi, que tout le monde joue le jeu, et qui était. Parce que dans son coin, finalement, tout le monde est technique. Mais on n'a peut-être pas les bonnes informations au bon moment, on n'a peut-être pas non plus le savoir-faire pour le mettre en pratique tout de suite. Et là, donc, la technicienne nous a apporté vraiment une cohérence et puis un plus au niveau technique. Et on a la possibilité de la joindre en dehors de ces réunions. Et donc, c'est vraiment un plus. Nathalie Comette, vous aussi, vous êtes technicienne, vous êtes ingénieure agronome de formation. Vous êtes non seulement présidente de l'organisme de défense et de gestion de l'AOP Faugères, mais également de formation agronome. C'est important d'avoir une vision technique sur les choses. Alors, moi, je ne suis pas technicienne, hein, je suis vigneronne, hein, mais du coup, ça me permet de bien me rendre compte des choses. Voilà. Mais je suis de formation, oui, et du coup, scientifique aussi. Et ça permet de mesurer à quel point aujourd'hui les solutions sont difficiles et on ne peut pas se tromper. Il n'y a pas beaucoup de marge, hein, de marge d'action. Donc, il y a une nécessité d'avoir un conseil technique vraiment pointu. Alors, ce n'est pas moi qui le fais, hein. Moi, c'est juste
Oui, bien sûr, non, vous n'êtes pas juste un... mon boulot de présidente, quoi, c'est-à-dire de faire un peu le tri dans ce qui me semble intéressant ou pas, quoi. Mais voilà, c'est. Mais sur l'irrigation, par exemple, l'irrigation, je pense, n'est pas l'alpha et l'oméga du changement climatique en viticulture. Il y a d'autres leviers d'action. Et même si l'irrigation reste peut-être incontournable, mais, et donc ça permet aussi d'élargir un peu le champ des solutions techniques, des outils techniques pour essayer de survivre à ces choses incroyables qui nous arrivent là. Mmh. J'aurais envie de vous poser la question tout à l'heure de votre appréciation sur la question des services, des paiements pour services environnementaux, mais Hakim, il y a peut-être des questions, on va y revenir. Hakim, il y a peut-être des questions justement via les chats de ce webinaire. Tout à fait. Alors, l'intervention de Nathalie Comet suscite plusieurs observations, des questions également. Des questions de Marie Savant du Vidourle, j'imagine que c'est le PTB Vidourle. Une première question technique, très rapidement. Qu'entendez-vous par analyse en sortie appellation ? Voilà, première chose. Deuxième chose, est-ce que, Madame Comet, vous travaillez avec le monde de la recherche pour apporter plus d'expertise, justement ? Je réponds là. C'est... Alors, oui. Effectivement, sortie d'appellation, c'est sur les cours d'eau, oui, je l'ai dit, mais à la fin. Donc, on a plusieurs cours d'eau intermittents qui traversent l'appellation et donc certains se jettent dans d'autres cours d'eau, dans l'Orbe en particulier, pour lequel il y a des captages dans la nappe alluviale de l'Orbe, donc des prélèvements d'eau à la sortie de l'appellation, au sud, hein, on est orienté nord-sud, et donc quand ces cours d'eau ont traversé l'appellation et sortent de l'appellation, on fait des prélèvements d'eau et on regarde ce qu'il y a dedans. Voilà, donc ça c'est... Et la deuxième question, pardon ? C'était de savoir si vous travaillez avec le monde de la recherche pour apporter plus d'expertise. Ah, ça, on aimerait bien, c'est pas si facile et donc on se rend bien compte à quel point le monde de la recherche fondamental est un peu coupé de l'agriculture. Donc on a organisé des conférences avec sur les mycorhizes, c'était Marc-André Sellos qui adore vulgariser, donc c'était pas très difficile de le faire venir et qui a fait une conférence tout à fait utile. Ensuite, on a eu des soucis. Par exemple, on a un GI2E dans l'herbeur, des vignerons qui spontanément ont voulu faire de l'enherbement au moment où les GI2E ont été lancés par Stéphane Le Foll. Et donc, il y avait un partenariat avec l'INRA. Et puis finalement, il y a eu des soucis de financement. Il y a eu surtout de l'argent pour la com. Et puis derrière, il n'y en avait plus trop. Donc, ça n'a pas été facile, là, pour le coup, de mobiliser l'INRA pour qu'ils viennent, en fait, faire de l'évaluation. Parce que moi, ce dont je me rends compte, c'est que tous les agriculteurs expérimentent. Ils ont tous envie d'essayer les trucs. Ils ont des bonnes idées. Ils sont sur le terrain, etc. Mais après, c'est très difficile d'évaluer les choses. Pourquoi ? Parce qu'il y a une énorme variabilité interannuelle. Il y a une énorme il y a beaucoup de facteurs qui expliquent ces variabilités sur les pratiques, sur plein de choses, et donc du coup l'évaluation est difficile à faire et on aurait besoin de chercheurs qui puissent nous aider dans ces évaluations qui ne sont pas des évidences. Voilà, les évidences, on n'a pas besoin d'eux, on les trouve très vite. Alors, une autre question de Marie Savant. Qui aimerait savoir s'il y a d'autres acteurs qui peuvent apporter justement de l'aide technique autre que la Chambre d'agriculture. C'est-à-dire que moi ce que je veux, c'est des gens qui comprennent qu'il y a d'autres solutions que la solution de l'agriculture intensive. Et donc, on essaye de trouver d'autres appuis techniques que ceux de la Chambre d'agriculture. Bon, parfois, la Chambre d'agriculture, on a eu aussi un groupe de lutte raisonnée qui a été animé un peu comme les arbos, pareil, l'appellation, et qui a été extrêmement utile parce qu'effectivement, la reconnaissance des maladies, des ravageurs, cette connaissance technique sur le terrain, des symptômes, n'est absolument pas facile. Et donc, ça, c'était quelque chose de très intéressant. Il faut chercher, hein, c'est un peu comme dans la brocante, faut fouiller, faut regarder, faut lire les publications qui sont souvent en français, hein, c'est pas et pour essayer de trouver les acteurs techniques capables d'aider sur des choses alternatives à l'agronomiquement
dominant et correct, ce genre en ce moment, on ne peut pas se passer de glyphosate. Ben, si, on peut se passer de glyphosate, alors pas dans n'importe quelles conditions, pas n'importe comment, mais on peut s'en passer sans que ça coûte, comme ça a été dit, plus de 20 000 euros l'hectare. Donc ça, c'est, enfin, il n'y a pas de généralité à faire. Et on peut, par exemple, on a agi beaucoup sur les insecticides à Faugères, avec deux maladies, la flavescence dorée et les vers de la grappe, donc Eudémis, parce qu'il y avait une autre manière de voir les choses et que ça permettait, là, sur ces deux cas particuliers-là, de diminuer de manière très, très importante les insecticides. Donc oui, c'était possible. Voilà, c'était possible. Donc oui, il n'y a pas que la Chambre d'agriculture. Non, non, il y a aussi l'INRA, il y a aussi le CNRS, il y a aussi, il faut aller chercher ailleurs, ouais. Nathalie Comette, en un mot, et parce que je voudrais entendre aussi les autres intervenants, mais c'est moi qui vous pose cette question, pour que vous puissiez répondre. Votre appréciation des paiements pour services environnementaux, Yves Picoche le rappelait tout à l'heure, l'Europe se penche très sérieusement sur ce sujet. Ah bah, alors, j'avais déjà pensé, c'est une idée qui est dans l'air du temps et qui paraît effectivement pas... plutôt cohérente. J'ai vu que dans le Pic Saint-Loup, il doit faire partie donc des 6 projets d'Occitanie là sur les 8. Bon, après, il faut voir dans les détails concrètement ce que ça veut dire. En tout cas, là, ce qui me vient tout de suite, c'est puisque paiement d'agriculteurs pour services environnementaux, faut pas opposer les gens. Faut essayer de pas opposer les gens, quoi. En tout cas. Très bien, merci. Bien. Benjamin Pallard, alors je ne sais pas si vous preniez des notes, mais en tout cas, je pense qu'à un certain point, je vous ai vu vous pencher, je pense qu'il y a un certain nombre de points sur notamment les appréciations techniques, sur le fait de parler le même langage que les personnes auxquelles vous vous adressez, vous en tant que responsable du service espace naturel et agro-environnement à la direction de l'eau là, de Montpellier. Quels sont les points qui font que le dialogue s'enclenche bien ou moins bien avec les personnes avec qui vous êtes en contact? Et est-ce que cet aspect technique, scientifique est un point majeur également de votre point de vue? Et moi, je rejoins ce que disait Nathalie Comette sur l'importance de, en fait, d'avoir de la donnée technique. Nous, enfin, de la donnée, de la connaissance, en fait. Par exemple, sur les analyses qualité de l'eau, c'est quelque chose qui va beaucoup intéresser les agriculteurs ou les citoyens. De savoir qu'est-ce qu'on trouve dans l'eau souterraine, où est-ce qu'il est le problème. Et c'est à partir de ces analyses-là qu'on est à même en fait, d'avoir une discussion raisonnée et rationnelle, et qui soit du coup pragmatique et pas dans des oppositions. Donc ça, c'est un premier élément, partir de la connaissance. La connaissance à la fois de l'état de notre ressource au niveau des pollutions. Par exemple, nous, ça fait 10 ans qu'il y a un programme d'action captage prioritaire qui est enclenché et 30 ans qu'il y a des démarches nitrates. Et si on observe une amélioration sur les pesticides, on observe une dégradation sur les nitrates. Donc, à partir de là, on est à même de pouvoir discuter, notamment avec la profession agricole, pour mettre en place les actions qui sont nécessaires. L'autre point, je pense que au niveau de l'agglomération, on a quand même privilégié ces dernières années des instances de discussion qui ne soient pas non plus uniquement agricoles. On a voulu, au travers d'un panel citoyen, pouvoir mixer la population agricole et non agricole dans le cadre en fait, de l'élaboration de notre futur programme d'action qui va commencer en janvier prochain. Et ça, là-dessus, alors ça, c'est une expérience qui a pu en agacer certains, mais globalement, ça a aussi permis... des agriculteurs d'expliquer ce qu'ils font, pourquoi ils ont des difficultés, et à des citoyens d'être à l'écoute, et vice-versa, en fait. Et donc ça, ça a permis aussi aux participants de développer un peu une culture commune. Au niveau technique agricole, nous, un autre exemple, c'est sur tous nos plans d'action, notre plan d'action de développement de l'agriculture biologique, d'avoir fait travailler ensemble, dans le cadre de cette mission de développement de l'agriculture biologique, la Chambre d'agriculture et le CIVAM Bio pour en fait travailler à l'accompagnement des agriculteurs là-dessus, et ce qui évite aussi qu'on soit dans des postures ou des oppositions à ce niveau-là. Très bien. Alors, Florian Ollier, de votre côté, comment se passe le dialogue? Comment vous l'organisez pour qu'on soit, non pas sur des parties trop conceptuelles, mais sur des actions réellement en protection des captages, notamment? Qu'est-ce qui fonctionne chez vous? Je dirais qu'on a plusieurs, euh,
plusieurs instances de dialogue à plusieurs niveaux. Le premier, je dirais qu'il est sur le terrain auprès des agriculteurs. Donc, nous, on a des prestataires qui sont sur le terrain, qui accompagnent les agriculteurs. On a aussi deux personnes en interne qui rencontrent les agriculteurs sur le terrain. Donc, c'est souvent des discussions comme ça qui remontent de chaque personne assez individualisée, que nous, on arrive à synthétiser sur des besoins qui reviennent, des besoins récurrents qui reviennent souvent sur, par exemple, le besoin d'une démonstration de matériel ou « Ah, ben tiens, je me lancerai bien dans telle filière parce que je suis coincée avec mon irrigation ces dernières années à cause de la sécheresse. » Voilà, ça, c'est un premier niveau d'information qui nous paraît le plus important pour nous et sur lequel, après, on arrive un peu à diriger nos actions. Et ensuite, on a des instances... je dirais plutôt classique à l'échelle de la construction d'un projet, donc autour de groupes de travail sur des thématiques précises. Donc là, récemment, par exemple, des groupes de travail autour des PSE ou encore des groupes de travail qui sont peut-être moins avec des agriculteurs, mais plus avec des acteurs de différentes organisations. Donc on arrive à mettre autour de la table un panel d'acteurs qui ont des représentativités différentes. Donc, on a par exemple la Chambre d'agriculture, le GAB, le groupement des agriculteurs bio, l'Association Dromoise d'agroforesterie, les CIVAM, le département de la Drôme qui porte le SAGE. Voilà, on essaye d'avoir plusieurs strates de discussion, faire en sorte que tout soit corrélé et que tout aille dans le même sens. Est-ce qu'on peut saisir cet intérêt qui est croissant des citoyens, des consommateurs pour ce qu'on appelle les circuits courts, pour l'alimentation au plus proche? C'est un point qui est ressorti beaucoup avec la crise sanitaire également. Alors, il y a eu beaucoup d'aspects industriels qui sont ressortis avec cette crise, mais aussi la proximité de ce qui est produit. On sait que la plupart du temps, en tout cas, les produits qui sont consommés en local ont un bilan gaz à effet de serre qui est meilleur. Il n'y a pas les transports, en tout cas, qui intègrent ces bilans. Il y a un certain nombre de citoyens qui sont intéressés par ça. Est-ce qu'on peut utiliser cet aspect-là comme levier, entre guillemets, pour améliorer la qualité du dialogue entre les exploitants et les citoyens? C'était un point que soulevait Benjamin Pallard il y a quelques minutes. Oui, on peut le faire. Nous, on le fait sur des réunions ou des temps particuliers d'échange qu'on a avec les agriculteurs parce qu'on porte des projets de développement autour des circuits courts au niveau de l'agglo, au niveau d'un projet alimentaire de territoire. Et de fait, de montrer aux agriculteurs que l'agglo s'engage aussi pour développer les circuits courts, les mettre en valeur, les recenser, les référencer, faire un travail particulier aussi pour sensibiliser les restaurateurs de l'agglo, faire un travail aussi autour des marchés de plein vent. Ça a un réel impact sur le message que nous, on veut passer, puisque c'est le message d'une agglo qui investit dans l'agriculture et qui défend aussi les intérêts des agriculteurs et qui ne leur demande pas que de changer leurs pratiques au titre de la qualité de l'eau. Et en fait, de pouvoir dézoomer sur un sujet plus vaste et plus global et de leur parler aussi économie, c'est le plus important. Et c'est aussi les considérer à l'échelle globale de leur exploitation agricole et pas que sur une pratique qui pourrait être polluante. Très bien. Benjamin Pallard, on évoquait la question de l'acquisition foncière tout à l'heure avec Florian Ollier, qui indiquait que c'est un peu tôt dans les étapes de projet qui sont réfléchies actuellement. De votre côté, vous, l'acquisition foncière, vous la faites, hein, du côté du sud-est de Montpellier, vous avez des acquisitions foncières. Et la question qui me vient à l'esprit, c'est est-ce qu'il est possible d'avoir des acquisitions foncières sans se mettre à dos, d'ailleurs, les exploitants agricoles qui ont besoin de foncier pour travailler? Au niveau de l'agglo, du Pays de l'Or, c'est vrai que l'acquisition foncière, c'était une démarche historique dès la création des captages, mais à la base, juste autour des captages, sur de l'opportunité, et que depuis 10 ans, en effet, on réalise de l'acquisition. Et sur le nouveau programme, l'ambition, c'est d'aller beaucoup plus loin. On a identifié une zone foncière, en gros, de 260 hectares autour des captages où on veut acquérir. Et si on ne peut pas acquérir, on veut qu'il y ait des mesures d'évitement qui concernent toutes ces parcelles, que ce soit par la mise en place d'obligations environnementales ou par des échanges fonciers pour éviter que des activités impactantes soient au plus proche des captages. Donc, c'est assez ambitieux. Et
Alors, c'est tout le travail qu'on fait d'expliquer que, parce que, en effet, à première vue, l'acquisition foncière, ça fait peur. Ça peut soulever des levées de boucliers. Et souvent, il y a cette idée que ça se fait contre la profession agricole. Alors, c'est une réaction qu'on peut notamment trouver auprès de certains élus de notre propre collectivité, mais aussi auprès d'élus de la Chambre d'agriculture. Et puis, il y a cette idée que ce n'est pas forcément le job d'une collectivité de faire ça. Donc déjà, c'est rappeler que si on le fait, ce n'est pas par le plaisir, c'est au titre de la compétence eau potable. Mais surtout, à chaque fois que nous, on réalise de l'acquisition, que ça soit à l'amiable ou par préemption, ça s'est toujours fait dans un cadre discuté et assez partenarial avec le monde agricole. Je n'ai aucun exemple d'acquisition foncière réalisée ces dernières années qui n'a pas profité à un moment donné à un agriculteur. Déjà parce que les parcelles qu'on va acquérir, on les remet en exploitation aux agriculteurs dans le cadre d'un bail à clause environnementale. Mais souvent, l'acquisition que va apporter l'agglomération, ça permet à un agriculteur qui ne pourrait pas acheter cette terre, parce que je rappelle que sur l'agglomération du Pays de l'Orne, les prix du foncier, c'est 20 000 euros l'hectare environ, de terre nue, quand ce n'est pas planté en vigne ou en arbo, vous pouvez monter à 40 000 euros l'hectare. Donc, ça permet à des agriculteurs d'accéder à du foncier, ils n'auraient pas forcément pu faire le projet d'achat. Ça permet des fois à des agriculteurs, parce qu'ils n'ont pas eu à faire l'investissement initial, d'aller tester des pratiques culturales nouvelles pour la protection de l'environnement, parce que du coup, ils peuvent se permettre de prendre un risque sur cette parcelle, d'avoir une baisse de rendement, parce qu'ils n'ont pas à supporter un investissement conséquent là-dessus. Donc, nous, c'est ce qu'on défend sur la collectivité, c'est qu'on a besoin d'avoir un programme ambitieux de mesures d'évitement, c'est-à-dire d'éloigner les activités les plus impactantes au plus loin des captages, que ça passe notamment par l'acquisition foncière, et la collectivité est prête à mettre des moyens conséquents pour les 7 prochaines années, mais qu'en même temps, cette action très ambitieuse, elle peut se faire dans un cadre gagnant-gagnant pour le monde agricole à ce niveau-là. Très bien. Alors, est-ce qu'on a des questions à Kim à cette étape? Quelles sont les remarques que vous voyez passer sur le chat? On peut y répondre éventuellement. Je les jette en vrac, hein. J'en ai deux. Après, j'ai un groupe de questions également sur les MAEC, les mesures agro-environnementales et climatiques. Mais avant tout, j'avais une question de Laure Maraval de TPM, Toulon-Provence Méditerranée, je suppose, qui demandait ce qu'il en était de la viabilité économique des exploitations en bio. Alors, les résultats sur la qualité de l'eau sont là, mais les exploitations sont-elles viables? Sont-elles solides? Je pense que tu es un peu adressé à Nathalie Comet. Alors, remettez votre micro. C'est une très bonne question. La viticulture est en ce moment pas dans une situation très favorable. Il y a des gros bouleversements d'un point de vue de la demande, c'est-à-dire la manière dont les consommateurs consomment du vin. Ils n'aiment plus le rouge, mais ils aiment le rosé, le blanc, mais ça ne suffit pas à compenser le rouge, etc. Il y a un gros problème avec l'export. Bref, plein de trucs qui font que ce n'est pas évident. Et donc, nous, on a là en ce moment, on a 3 stagiaires en dernière année de Montpellier Supagro en économie qui travaillent là-dessus, qui sont allés voir les gens, leur demander leurs factures, leurs comptas, leurs machins, leur manière de travailler pour savoir éventuellement s'il y a des modèles qui sont viables ou pas, des pratiques qui le sont ou pas. Et en tout cas, il n'y a pas d'évidence que le bio, ce n'est pas un coup de baguette magique économique, il n'y a pas… voilà. On ne peut pas dire aux gens, bah, écoutez, soyez bio, puis tout ira bien économiquement, vous vendrez le vin au bon prix, etc. Sans doute pas. En même temps, il n'y a pas non plus de péril avec le bio. Hein, c'est pas... De votre côté, Richard Fragnoux, est-ce que quand vous discutez avec vos collègues, il y a des schémas économiques aussi qui sont abordés, ou c'est une question qui est un peu moins envisagée, pas qu'elle soit taboue, mais disons qu'on soit plus sur des groupes de réflexion et de partage qui sont techniques. Est-ce qu'on parle argent, et est-ce qu'il y a des schémas économiques qui semblent se distinguer, qui soient à la fois favorables à la qualité de l'eau, à vos exploitations et à vos finances? Bien sûr, on parle argent, on ne va pas au fond des choses, mais bon, on en évoque un peu. Je pense que bon, nous sommes des exploitations mixtes, ce n'est pas des exploitations totalement arboricoles et totalement céréalières. Chaque exploitation a en principe deux axes.
et les agriculteurs bio également, donc beaucoup de maraîchage et un peu de fruits. Ensuite, pour dire, c'est difficile un peu de prendre parti et de répondre, bon, on connaît son exploitation, on connaît un peu celle des autres, mais on ne va quand même pas éplucher la comptabilité des collègues. Hein. Est-ce que les bio s'en sortent mieux? Vous avez dans le groupe de 6. Oui, donc notre, enfin, le plus ancien, il fait beaucoup de maraîchage et il s'en sort bien. Bon, il s'en donne la peine. Bon, ben là, on est dans un monde favorable à l'agriculture biologique. Donc, les agriculteurs conventionnels, eh bien, on essaye de tirer parti, on essaye, enfin, de se démarquer. Donc, il y a quand même deux exploitations qui sont passées, qui ont été certifiées HVO3. Donc, c'est pas du bio, mais ça veut dire qu'on essaye un peu de se sortir des schémas classiques. Mmh. Chacun essaye un peu de tirer des plus-values et sur certaines productions particulières ou donc dans ces groupes d'échange, eh ben on essaye des fois où on prend un peu des idées économiques ou il y a même des échanges de regroupement pour du matériel. Ça a été testé, c'est pas mal, tu peux me le faire essayer, puis peut-être qu'il y a un achat en commun à la fin, donc notamment avec les aides de l'agence de l'eau. Hein. Jacques Espitalier, de votre côté, comment se passent ces échanges? Est-ce qu'effectivement on a des conversions au bio? Est-ce que ça marche mieux sur ce plateau? Donc, hein, je le rappelle, le plateau de Valensole qui manque d'eau, qui est sur une situation sédimentaire aussi abîmée, on peut le dire, par la présence de produits qui ont infiltré les sédiments. Comment on peut s'y prendre dans cette situation où il va falloir jouer avec la quantité d'eau et on va pas pouvoir forcément afficher une qualité de l'eau parfaite dans le cadre d'exploitation bio? Alors, je dois rectifier quand même quelques éléments. Allez. Même si nous sommes sur une situation de montagne sèche, depuis le début des années 90, une partie du plateau de Valensole est à l'irrigation. Donc, on est en capacité de production de cultures irriguées, ce qui a aussi changé une partie de la production de ce plateau de Valensole. Et le projet est d'étendre de 6000 hectares l'irrigation sur ce plateau. Donc, on ne peut pas parler qu'on soit en manque d'eau, hein, parce qu'au bord de ce plateau, c'est là où se situent les grandes réserves d'eau de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Hein, les grands lacs du Verdon bordent le plateau. Donc, on est dans une situation un peu paradoxale. Alors, pour être assez synthétique, l'agriculteur du plateau de Valensole se décomposait et se décompose encore sous deux formes de production agricole. Je l'ai dit tout à l'heure, le lavandin et sur un schéma de rotation de culture avec essentiellement du blé dur. La chute des cours du blé dur et la rémunération des cours du blé dur ne conduisent pas les agriculteurs à produire et à augmenter cette surface de blé dur. Et les cours du lavandin, j'allais dire heureusement ou malheureusement, peu importe, ça dépend de quel côté on se penche, ont connu une flambée des prix ces dernières années qui ont mis en production des surfaces considérables sur le plateau de Valensole et même autour du plateau de Valensole. Mais là, le territoire qui nous concerne est le plateau de Valensole. Et donc, la culture du lavandin n'est pas porteuse d'une culture bio. Alors, je vais vous expliquer parce que l'huile essentielle de lavandin est considérée comme un produit industriel, est un produit industriel, une TVA à 20%, est essentiellement utilisée par les grandes multinationales, puisque 95% de la production est à l'export, est utilisée par les grandes multinationales, Colgate et autres, les grands lessiviers au monde, et donc rentre dans la composition de beaucoup de produits, essentiellement des produits non bio. Donc, une production bio n'est pas valorisée quoi, en termes de production. Voilà. Donc, c'est notre grand défi de ce territoire-là, du plateau de Valensole, en termes de production. Par contre, d'autres productions se sont engagées, notamment sur l'élevage,
pour faire un rapport avec ma consoeur viticultrice dans l'AOP Faugère, hein, nous sommes sur ma commune, la commune de Quinçon, en AOP Coteau de Pierrevert, hein, on produit du vin, et les viticulteurs de Quinçon sont passés en totalité en agriculture biologique. Hein, et depuis quelques années, ils ne s'en portent que mieux. Quoi, hein. Notre territoire aussi. Hakim, est-ce qu'on a des questions? Plein. Le chat. Quantité de questions. Alors, on va continuer sur les exploitations. Une question qui est adressée à Benjamin Pallard, de la part de Laure Vlad, l'agence de l'eau, d'accord, qui porte des politiques sur le territoire d'Auvergne-Rhône-Alpes. Comment intéresser les citoyens aux problématiques agricoles et en quoi cela a servi le projet de territoire? Est-ce que des actions concrètes en ont découlé, acceptées et partagées par les agriculteurs? Sur l'expérience que je relatais du panel citoyen, vu qu'on avait fait un appel à candidature, à proprement, on n'a pas cherché à intéresser les citoyens, c'est les citoyens intéressés qui sont venus nous voir. Je n'ai pas trop l'impression que sur la question agricole, on ait du mal à intéresser les gens. On est sur un territoire périurbain où il y a pas mal de zones résidentielles et en même temps, il y a une forte activité agricole. Donc, on a quand même des problématiques de cohabitation urbain-rural. Et donc, je pense que les gens, spontanément, vont s'intéresser à ces enjeux agricoles. Donc, ça, c'est une première chose. Ce qui a pu en ressortir, bon, ce qui était très intéressant dans le panel citoyen, c'est que spontanément, les groupes agriculteurs et non agriculteurs se sont mis à travailler sur des propositions d'action qu'on pourrait croire réservées à des initiés, techniciens. Mais spontanément, ils se sont saisis de la question du sol, de comment améliorer la matière organique du sol ou des choses comme ça. Et je pense que j'oublie un élément de la question. Je crois que vous avez quand même lancé des guides hein, de vente directe aussi. Oui. Parce qu'on parlait tout à l'heure du problème de se mettre éventuellement à dos les agriculteurs. Il y a quand même des parties où vous faites la promotion de manière assez intense des producteurs locaux, où il y a un travail avec les cantines, il y a un travail aussi donc, pour informer les citoyens de là où ils peuvent acheter. Il y avait une action en fait de guide des producteurs en vente directe. Et à partir de 2016, ce qu'on s'est dit, c'est... voilà là un outil de promotion économique, mais qui est complètement déconnecté des autres politiques publiques, notamment la politique de protection de l'eau. Et donc, on s'est posé la question de comment on fait rentrer ces enjeux-là de protection de l'eau dans le guide des producteurs en vente directe. Alors bon, on ne voulait pas partir sur une histoire de label ou de marque qui serait compliquée à mettre en place et tout ça. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a juste mis une pastille d'eau en dessous de chaque agriculteur et on lui a laissé le choix de mettre en avant une pratique qu'il avait pour protéger la ressource. Et on ne faisait pas de censure, c'est-à-dire qu'on n'était pas là pour dire « votre pratique, elle est vraiment, elle n'est pas très intéressante ou quoi ». On leur expliquait, on leur disait « voilà, vous mettez ce que vous voulez ». Donc, il y en a qui disaient « moi, je fais que du désherbage mécanique, donc je n'utilise pas d'herbicide ». Puis, il y en a d'autres qui disaient « moi, je fais du goutte à goutte ». Bon, voilà, c'était chacun. Et en fait, c'était donner aux citoyens un outil d'intérêt. Donc, ensuite, ils pouvaient aller faire leurs courses en vente directe chez un producteur. Il dira, tiens, j'ai vu que vous utilisiez des auxiliaires de culture, est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Donc, c'était amené aussi, plutôt que d'être dans une sorte de je mets une pastille, protège la qualité de l'eau, c'est comment on peut éduquer les gens à aller vers une connaissance des enjeux agricoles et qualité de l'eau. Très bien. Alors, un point. Valérie. Oui, Hakim, sur les questions, justement, j'allais venir à ces questions. Oui. J'ai deux petites questions qui se recoupent un petit peu sur notamment l'acquisition foncière. Alors, une qui est spécialement adressée à Benjamin Pallard, moi je pense que d'autres peuvent répondre également. Et une autre, alors une qui nous demande quel est le portage financier des acquisitions foncières. Est-ce uniquement la compétence eau potable ou d'autres compétences ou instances qui la financent? Une autre, c'est, alors, dirigée vers l'agence de l'eau, c'est est-ce que l'acquisition de terrain par la collectivité dans une aire d'alimentation de captage prioritaire est financée partiellement par l'agence de l'eau. Ça fait deux questions. Benjamin, vous voulez répondre Oui. Et puis, Richard Fragnou, vous vouliez intervenir, allez-y. Il faudrait peut-être rebrancher votre micro.
Ah oui, il faut remettre le micro du côté de... Ah, c'est une erreur. On avait un débat sur le... Sur le... Ce que disait M. Benjamin Pallard. Très bien, parfait. Benjamin Pallard, c'est à vous, si vous voulez. Et en remettant le micro. Par rapport à l'acquisition foncière, on est sur des opérations qui sont portées à 70% par l'agence de l'eau et à 30% donc par la collectivité. Lorsqu'on est sur des zones foncières captage prioritaire, si on n'est pas sur les captages prioritaires, il peut quand même y avoir un cofinancement agence de l'eau, mais c'est moindre. Et donc voilà, globalement, notre programme d'action définit une zone d'action foncière sur laquelle on va intervenir. Et c'est sur la base de cette zone d'action foncière qui a été délibérée que l'agence de l'eau ensuite peut venir cofinancer, ce qu'elle fait généralement. Très bien. Autre question, Hakim ? Alors là, j'ai deux questions qui concernent les MAEC, les mesures agro-environnementales et climatiques. Une qui nous vient de l'ARS, Christelle Lama, qui demande, compte tenu de la lenteur plus sur l'amélioration de la qualité de l'eau, quels indicateurs de suivi pour l'efficacité des mesures? Pas de difficulté pour un suivi en surface, mise en herbe ou conversion en agriculture biologique, mais les animateurs captage prioritaire pointent souvent la difficulté à obtenir des indicateurs du type IFT pour les mesures agro-environnementales et climatiques. Et une autre question qui demande, voilà, lors des bilans MAEC, le cahier des charges impose la réalisation des IFT. Ça, c'est plutôt... Qui souhaite intervenir sur ces aspects? Moi, je veux bien. Ouais. Alors, les IFT, exactement en relation avec les MAEC, je ne sais pas trop, mais en tout cas, c'était discuté de les introduire dans les cahiers des charges d'appellation d'origine. Donc, voilà. Alors, il faut savoir quand même que les conditions climatiques conditionnent directement le nombre de traitements. Pour ceux qui ne sont pas familiers, hein, IFT, c'est l'indice de fréquence des traitements, c'est-à-dire la quantité de traitements qu'on applique sur une culture une année donnée. Je pense que c'est très compliqué de faire ces mesures. C'est difficile. Alors, on est déjà obligé, hein, de toute façon, de rendre compte de ce qu'on fait dans un cahier de traitement. Donc, ça, c'est plutôt pas mal quand on est en bio particulièrement, puisqu'il faut limiter le cuivre au maximum. Ensuite, voilà, limiter, il faudrait, ça demanderait un suivi, je pense, à long terme, parce que par exemple en 2018, contre toute attente, on a eu une énorme attaque de mildiou et on se demande si ça ne va pas aller de pair avec le changement climatique, avec des conditions finalement plus chaudes et plus humides au printemps. Et ça fait grimper les IFT de manière quasi automatique. C'est pas facile, je pense, d'utiliser ce suivi, en viticulture en tout cas. Deux mots pour conclure, avant d'aller vers la conclusion de ce webinaire. Jean-Charles Malatré, vous êtes donc nouvel élu, je le disais, hein, sur votre secteur. Comment vous voyez le travail sur ces enjeux de qualité de l'eau? Est-ce que dans les attributions qui vous sont données, vous voyez des pistes pour avoir des actions sur cette qualité au niveau des captages de potable? Oui. Je voudrais avoir le point de vue d'un nouvel élu, puisque c'est vrai que vous êtes maintenant avec ce mandat depuis seulement quelques mois, et je pense que ça peut donner une image, un regard neuf sur le sujet, même si vous êtes du secteur, vous êtes un enfant du pays, mais malgré tout. Nous avons un service des eaux très important. Hein, puisque... Alors, parlez bien fort, parce que vous êtes assez loin du micro dans votre position, dans la salle. Ce qui est... nous avons un service des eaux très important, hein, nous avons du personnel, et du personnel très compétent, justement, connaissent bien, qui servent bien les captages et la distribution d'eau et l'assainissement sur nos 37 communes, notamment un technicien qui est directeur adjoint, M. Jean-Mathieu Fontaine, voilà, qui travaille beaucoup. Nous travaillons donc avec le CIRA, l'agence de bassin, bien sûr, l'agence de l'eau, avec tous ces organismes. Qui manque de lisibilité, vous me disiez, on a du mal à se retrouver en tant que nouvel élu au milieu de tous ces acronymes et de ces acteurs. Des fois, ça manque de clarté pour vous. C'est vrai. C'est un peu compliqué pour être en immersion totale depuis quelques mois là-dedans. C'est que pour tout cerner, entre la GEMAPI, le SAGE, GPRE,
Les SIRA, c'est vrai qu'il y a une quantité d'organismes hein, important, bien sûr. Pour la totalité des élus, d'ailleurs, c'est un problème parce qu'on a beaucoup de questions là-dessus en conseil communautaire ou en réunion. C'est quel est le périmètre d'intervention de chaque entité, quoi. C'est ça l'enjeu. Oui. Réussir à bien appréhender le qui fait quoi et auprès de qui se tourner pour telle action. Voilà, c'est ça. Parce que la commune a grossi, il y a eu une fusion donc il y a 2 ans, et bon, qui s'est mis en place difficilement et en train de se mettre en place. Il y a encore du travail en 2021. Voilà. Floriane Ollier, vous êtes un peu spécialisée finalement sur ces questions. Même appréciation concernant la complexité des dispositifs, ou est-ce que ça vous paraît accessible? Quelle est votre perspective là-dessus? Les dispositifs et le jeu d'acteurs autour de l'eau, je pense qu'elle est complexe à prendre en compte, à découvrir. Nous, quand on y est dedans au quotidien, on s'y retrouve facilement, forcément, c'est notre métier. Mais c'est sûr que le nombre de dispositifs, d'acronymes, d'acteurs qui travaillent sur la préservation des qualités de l'eau ou la préservation de la quantité d'eau, c'est vraiment assez important. Pour conclure, Floriane Ollier, je reviens sur une étude que vous avez menée auprès du monde agricole. Vous avez mené une étude assez complète auprès des agriculteurs pour savoir justement quelles étaient les attentes, quelles pouvaient être éventuellement les occasions de collaborer et collaborer à divers égards, hein, sur le développement économique, sur les circuits courts dont on a parlé tout à l'heure, sur également la préservation de la qualité de l'eau. Et ce qui est ressorti de cette étude, il y a sûrement plein de choses, mais il y a un point qui m'avait intéressé dans notre échange, c'est la volonté d'être accompagné sur le long terme. Je crois que ce que les agriculteurs aujourd'hui veulent, c'est qu'on arrête, en tout cas. Alors, c'est vrai que les actions des agences de l'eau, pour ça, c'est quand même pas mal, parce qu'elles ont des visions à plusieurs années et sont souvent étalées effectivement sur des périodes assez longues, mais ils veulent avoir du long terme. Je crois que c'est un des points importants qui est ressorti de votre étude. Oui, exactement. C'est l'étude qu'on a menée, en fait, c'était une évaluation portée sur 2 années de dispositifs d'accompagnement auprès des agriculteurs qu'on avait construit autour d'un gros marché public. Sur les années 2017 à 2020. Et de fait, on a fait cette évaluation. On a enquêté quelques agriculteurs qui nous disaient l'importance d'être accompagnés sur du long terme, donc revenir les voir souvent, par exemple 2 fois dans l'année, sur par exemple 5 ans ou plus. Parce que jusqu'à maintenant, nous, on faisait des actions un peu en... On cherchait le nombre d'agriculteurs à sensibiliser, donc on visait le très large. On voulait quelque part beaucoup d'agriculteurs dans notre escarcelle. Et finalement, sur le nouveau programme qu'on a écrit en lien avec l'Agence de l'eau et qu'on est en train de mener actuellement, on est plus sur du qualitatif et aller rencontrer les agriculteurs sur leur ferme et retourner les voir dans un an, puis encore dans un an, puis encore dans un an, pour évaluer avec eux leurs besoins, les freins sur ce qu'ils n'arrivent pas à mettre en place et les accompagner au mieux, parce que souvent, ils nous disent qu'ils se sentent un peu seuls sur leur exploitation agricole, parce que tous ne sont pas dans des réseaux, et de fait, ils avaient cette attente-là. Très bien, merci. Merci beaucoup à tous les contributeurs, à toutes les contributrices de cette table ronde. À qui nous étions combien connectés cet après-midi? Alors, avec le micro. Avec le micro, Hakim, sinon on ne vous entend pas. Excuse-moi. Je crois que le nombre des participants est monté jusqu'à 190, pas loin de 190. Donc, c'est pas mal. Certains sont restés, la plupart sont restés. On est plus de 150 à l'heure actuelle. Je souhaitais juste poser 2 questions qui s'adressent à Laurent Roy, ce qui permettra peut-être de faire la passerelle vers la conclusion de la journée. On est d'accord? Parfait, c'est très bien. Rapidement, pour respecter le temps qui est bien. Bien sûr. Alors, une question. Sachant que Laurent Roy, il y a beaucoup de points qui ont été abordés. Je pense qu'il y a énormément d'éléments, effectivement, qui doivent vous intéresser dans les points qui ont été rapportés en retour d'expérience. Hakim, oui, donc 2 questions rapidement. Rapidement. Alors, une qui nous vient de la Chambre d'agriculture du Gard. L'accompagnement, et qui demande si l'accompagnement financier aux chambres d'agriculture
pour l'animation des programmes d'action de reconquête de la qualité de l'eau des captages prioritaires allait perdurer au-delà de 2021? Je vous laisse peut-être déjà répondre à celle-ci. Oui, mais ce qu'on privilégie, et c'est ce qui était présenté tout à l'heure en début d'après-midi par à la fois Ipikos essentiellement, puisque c'est lui qui parlait des aides, mais aussi Fermi Abad, c'est qu'on privilégie un portage du plan d'action sur l'aire d'alimentation du captage par la collectivité utilisateur de ce captage et de l'eau, donc de l'eau pour l'eau potable. Ça ne veut pas dire que les acteurs agricoles sont exclus de cette dynamique. Au contraire, ça doit se construire en étroit partenariat avec les différents acteurs du territoire et notamment les acteurs agricoles, qu'ils soient chambres d'agriculture ou autres. Mais on souhaite effectivement une responsabilisation des collectivités en charge du captage et de l'eau brute qui va être utilisée pour la fabrication d'eau potable à partir de ce captage. Très bien. Une dernière question, je suppose, Valérie. Oui, par exemple, ce serait une bonne idée, vu le temps en partie. Pour permettre ensuite à Laurent Roy de conclure. Une question pour l'Agence de l'eau qui nous vient de la Bourbre. Daniel Payot. Nous avons constaté des nombreux plans d'action en cours et le dynamisme des différentes structures pour améliorer la qualité de l'eau. Cependant, comme cela a été fait pour les mesures d'âge des ressources en eau et pour piloter toutes ces actions en termes de résultats, est-il prévu d'objectiver cette démarche avec des indicateurs de résultats sur la qualité de l'eau de chaque zone, captage prioritaire, et pourquoi pas des mesures labellisées récurrentes sous maîtrise d'ouvrage de l'Agence de l'eau, avec notamment les taux de présence de chaque type de polluant? Non, mais ça, c'est un petit peu ce qu'on a essayé de développer dans le cadre de la stratégie d'action différenciée. Le but de la stratégie d'action différenciée, c'est de faire la part justement en fonction des caractéristiques géologiques, hydrogéologiques de chaque ressource, entre les endroits où on va voir les résultats, voir la qualité de l'eau rapidement, parce que le contexte le permet, et dans les endroits où on ne va pas les voir rapidement, où ça va prendre longtemps. Et donc d'être capable, en fonction de cette typologie, de mettre en place les outils qui, dans certains cas, vont être des outils plutôt vraiment de long terme, parce qu'on ne va pas avoir de résultats tout de suite, et c'est là où on va faire appel plutôt à des outils de type stratégie foncière, tel que c'était évoqué tout à l'heure, ou à l'inverse, des outils qui peuvent être se combiner de manière ambitieuse pour avoir un résultat rapide quand la géologie le permet, où là on va avoir un peu de combiné, on va combiner des aides au matériel pour moins traiter, on va combiner des aides à la conversion, on va combiner pas mal d'animations pour avoir des résultats rapides. Donc l'idée qu'on essaye de mettre en place, c'est bien celle-là, c'est bien de faire le lien avec les résultats, mais on sait très bien que ces résultats vont être extrêmement dépendants du contexte géologique. Donc, d'avoir un panel d'action qui va lui-même être dépendant de ce contexte pour avoir les outils et surtout la durée de vie de ces outils, la permanence de ces outils adaptés à ce contexte géologique et à l'inertie du système. Merci pour ces éclairages. La conclusion vous revient, Laurent Roy, donc directeur général de l'agence. On a échangé un certain nombre d'aspects, alors évidemment dans des temps un peu plus contraints, étant à distance, mais beaucoup d'éléments sont quand même ressortis concernant les relations avec les agriculteurs, les enjeux en croisant les aspects techniques, économiques, et puis ces aspects de long terme qui ont été abordés dès le début de ce webinaire, du fait que, vous venez de le rappeler, les réalités géologiques sont variables et que malheureusement, malgré la difficulté de faire d'aller vers des améliorations, on a parfois des résultats qui sont à très long terme. Oui, ben merci. Tout d'abord, merci à tous et à tous les intervenants pour l'intérêt et la clarté de ce qu'ils ont partagé lors de cette table ronde. Et merci à tous les participants pour avoir également nourri le débat. Moi, je retiens quelques mots-clés que je voulais à mon tour partager avec vous. Bon, il y a un mot-clé qui m'a paru s'imposer avec une certaine évidence, c'est pragmatisme. Pragmatisme, c'est-à-dire il faut trouver des solutions adaptées au territoire, sans a priori idéologique, mais qui correspondent à la réalité à la fois géographique, agricole de chaque territoire. Et ça, c'est le deuxième mot-clé. Ça se discute, et ça se discute dans un partenariat. Donc, le deuxième mot-clé, c'est le partenariat. Pour être pragmatique, c'est bien de pouvoir travailler avec entre tous les partenaires concernés, évidemment les agriculteurs, évidemment les collectivités, mais aussi, ça a été dit, d'être capable de faire appel au réseau d'expertise, de faire appel à l'appui de l'innovation, au monde de la recherche, etc. Un troisième mot-clé qui se dégage, c'est l'économie. Nous avons affaire à des acteurs économiques
Donc, sauf à rester dans l'incantation du yaka faucon, si on veut sortir de l'incantation, il faut s'inscrire dans des logiques économiques. Donc, dans des logiques économiques avec des recherches de valorisation. Alors, la recherche de la valorisation peut faire appel à un travail avec les filières, avec l'aval. Donc, travailler avec l'aval sur comment on peut valoriser mieux que les productions à bas niveau d'intrants, comment on peut travailler sur des signes de reconnaissance, comment on peut travailler aussi sur les circuits courts, comme ça a été évoqué. Mais d'une manière générale, tout ce qui peut permettre qu'on inscrive le changement de pratique dans une logique économique. Ce qu'on peut également citer comme enseignement de cet après-midi et de cette table ronde, c'est un peu ce que je disais en réponse à une des questions qui était posée là juste à la fin, c'est la nécessaire complémentarité entre les outils. Il faut savoir manier des outils différents et les manier pour pouvoir trouver les solutions les plus adaptées. Et donc, ne rien s'interdire a priori, quelque chose qui peut être perçu comme plus dur ou plus pénalisant, comme l'acquisition foncière peut être une très bonne solution quand on veut s'inscrire dans des stratégies de long terme. Des solutions de partage d'expériences comme les groupes d'échange qui sont a priori donc perçus comme plus souples peuvent être également d'excellentes solutions pour faire du développement agricole, du partage, le développement agricole par-dessus la haie, hein, en regardant ce que va faire le collègue et en partageant ce qui marche bien. Bref, tous les types d'actions sont à savoir mobiliser. Autre point que j'ai retenu aussi, c'est l'importance de la connaissance. Et la connaissance à tous les niveaux. Donc la connaissance, c'est en amont pour le diagnostic, être capable de poser un diagnostic partagé sur un territoire. La connaissance, c'est en aval pour l'évaluation. C'était aussi une des questions. Comment on peut se doter d'outils d'évaluation pertinents compte tenu de la complexité des territoires. C'est très intéressant ce que disait Nathalie Comet sur des mesures en aval de l'appellation. Quand on a la chance d'avoir des cours d'eau qui traversent l'appellation et qui sortent derrière, ben ça donne des outils d'évaluation intéressants parce que les eaux superficielles réagissent plus vite que les eaux souterraines. Donc là, on aura cette possibilité-là, on ne l'a pas toujours. Donc réfléchir aux bons outils d'évaluation, c'est important. Et puis, en matière de cette connaissance, de cette mobilisation des différents champs scientifiques, je mentionnerai aussi une forme de conviction qui est que toute cette évolution des pratiques pour la réduction des pollutions et le retour à une eau potable de la meilleure qualité possible, c'est quand même une forme de revanche de l'agronomie. Ça a été dit à de multiples occasions. Il me semble que par rapport à des modes d'agriculture qui ont peut-être été des modes d'agriculture simplifiés, pour faire simple, donc des itinéraires techniques plus simplifié en utilisant pas mal d'intrants, le fait de pouvoir réduire ces intrants, c'est plus compliqué, ça nécessite une meilleure maîtrise technique, beaucoup de maîtrise agronomique, et donc loin des caricatures qui voudraient opposer cette agriculture donc moins polluante en la stigmatisant en disant qu'elle n'est pas technique, bien au contraire, elle est très technique et sans doute bien plus technique encore que l'agriculture qui l'a précédée, d'où cette importance du retour à l'agronomie. Donc voilà ce que j'ai retenu de cette table ronde. Je terminerai en disant, puisque c'était les questions à la fin, l'Agence de l'eau, bien entendu, continuera à être aux côtés des porteurs de projets pour ce défi essentiel qu'est la reconquête de la qualité de l'eau sur les captages prioritaires en particulier. Nous continuerons à être aux côtés des porteurs de projets pour l'élaboration des plans d'action et la mise en œuvre des plans d'action en s'appuyant, comme je l'ai dit, de manière privilégiée sur les collectivités, mais aussi en travaillant avec le monde agricole. Nous continuerons à être aux côtés des filières à l'aval pour développer les filières à bas niveau d'intrants. Nous continuerons également à développer notre appui à l'innovation, puisque c'était un point important. Nous avions, il y a 3 ans de ça, lancé un appel à projet sur l'innovation dans le domaine agricole pour trouver des itinéraires techniques à moindre intrant ou d'ailleurs à moindre consommation d'eau. Je pense que ce sont aussi des pistes intéressantes. Et nous continuerons à être aux côtés de la mise en œuvre des outils qui pourront se développer dans la future PAC, pour, je l'espère, accompagner ces formes de transition, car on est maintenant à un moment charnière. La,
la PAC actuelle se termine, il y a une espèce de période complémentaire actuelle, mais ce sont les règles de la nouvelle PAC qui vont maintenant se définir en France après l'accord trouvé au niveau européen. Et je formule le vœu, en forme de conclusion, que ces règles qui seront élaborées en France puissent nous aider à trouver les outils les plus pertinents pour faire cet accompagnement financier et technique des agriculteurs pour aller vers la transition et donc la reconquête du bon état des eaux et la protection de la santé de nos concitoyens. Merci à tous. Merci beaucoup, Laurent Roy. Merci d'ailleurs aussi à l'ensemble de l'équipe qui s'est penchée sur l'organisation de ce webinaire, de l'équipe de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse. Merci à Kim pour ce binôme en question. Alors, on n'a pas pu prendre toutes les questions, évidemment. Il y a un chat voilà, qui continue de vivre et de même, on va pouvoir retrouver ces éléments pour les personnes qui sont venues en cours de route ou les personnes qui voudraient retrouver des éléments qui ont été affichés dans le cadre de ce webinaire. Donc, on peut retrouver ces éléments dans les prochains jours avec les plaquettes captage prioritaire et filières à bas niveau d'intrants, le guide d'âge, la présentation de Fabien Abad qui était tout à l'heure en début d'après-midi, la présentation d'Yves Picoche plus spécifique sur les aides et notamment les aides autour des points de captage. Et puis l'intégralité du webinaire en vidéo sera également disponible. Merci vraiment à toutes les personnes qui ont accepté de consacrer de leur temps pour nous raconter comment elles travaillaient ces questions de qualité d'eau, même si c'est parfois, on le disait encore une fois, sur le long terme. Et puis, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, à une prochaine occasion, un prochain webinaire, ou peut-être miracle, à l'occasion d'un colloque en présentiel, comme on dit. Merci encore, bonne fête, et puis à très bientôt. Au revoir.